Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Moi ? Je m'appelle Jean-Luc Mélenchon et je suis candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Comment vous faites pour tenir toute cette pression depuis tant d'années ? Comment vous faites pour tenir les attaques ? Comment vous faites pour encaisser ? Jean-Luc, j'ai dû tirer le bon numéro du code génétique, j'ai aucun mérite. Donc ça me donne une endurance physique qui permet de corriger la trajectoire quand c'est pas la bonne, quand on a pris trop de coups. Mais sinon, d'abord, dans le style campagne présidentielle, c'est la troisième, donc il y a des choses qu'on aborde avec plus de tranquillité qu'à la première, où je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être de l'organiser. J'avais organisé toutes sortes de choses avant, des campagnes municipales, cantonales, législatives, mais une présidentielle, non. Bon, maintenant, ça va, je crois que j'ai montré que j'avais un petit talent, un toucher de balle, hein, pour faire des campagnes de cette nature. Et puis, j'aime ça, parce que je pense que les campagnes, c'est des moments, pour des gens comme moi, qui sont des militants politiques de toute la vie. Une campagne électorale, c'est un moment extraordinaire. Tout le monde se mêle de politique. Tout le monde a des idées sur tout, et puis vous arrivez, vous êtes en principe mieux équipé si vous avez travaillé avant, vous avez des réponses. Là, j'ai un programme, donc il en est à sa troisième campagne, il s'est affiné. C'est assez excitant, si vous voulez, de développer, de se confronter aux autres, de marquer des points, des fois on en marque. Hein. Et pour un intellectuel, c'est apaisant, marquer un point, parce que vous vérifiez qu'un calcul intellectuel peut se traduire dans la réalité de la vie, par un rapport de force. Quand je parle de rapport de force, c'est un rapport de force sur la scène politique, ça se voit pas. On ne déploie pas des soldats. Hein. Donc, c'est un moment très fort de démocratie, puis je suis un religieux de ça. Moi, je n'hésite pas à le dire. La République, pour moi, c'est quelque chose de... C'est une idée, c'est une pratique. Donc oui, c'est des moments très exaltés. Après, prendre des coups, je vous rassure, hein, personne s'y habitue. Je ne peux pas dire que je m'y suis fait. L'acide passe sous l'armure. Et puis, on apprend à se réparer, à le surmonter. Mais encaisser les coups, je crois que même un boxeur n'aime pas ça. Hein. J'en connais pas, en tout cas, j'en connais pas assez, peut-être, pour savoir, en avoir vu un qui a dit « j'adore m'en prendre une en pleine face », ou « c'est délicieux, accroché au menton », ça n'existe pas. Donc moi non plus. Et puis, le temps passant, la vie m'aura conduit dans une sorte de boucle qui fait que j'ai commencé mon engagement politique très jeune et dans un état de grande révolte contre le système dans lequel je vivais. Pour plein de raisons, qui toutes n'étaient pas aussi, aussi extraordinaires rétrospectivement que je pouvais le croire sur le moment. Mais après avoir fait tout un parcours, mon point de vue à mon âge, j'ai 70 ans, il faut que je m'en convainque, est presque aussi radicalement en retrait des valeurs du monde dans lequel je vis que ça l'était à l'époque. Peut-être davantage parce que la profondeur de champ, de l'expérience, enseigne d'une manière beaucoup plus forte les choses avec lesquelles on ne peut pas faire de compromis parce que ça ne sert à rien d'essayer d'en faire et qu'on ne peut avoir que des rapports de force. Alors tout ça, c'était jusqu'à 4-5 ans. Puis il y a 2-3 ans, une première bascule. Je comprends que le changement climatique est en cours et qu'il est irréversible. Et donc tout à coup, tout ce que je croyais, tout ce que je pensais est obligé de se reformuler parce que les délais d'accomplissement sont plus courts. J'ai vécu toute une vie en me disant « bon bah si c'est pas ce coup-là, ce sera le suivant. De toute façon, on finira par l'emporter. » Et puis j'ai vu des belles victoires. J'ai vu 81, j'ai vu des choses auxquelles on a cru, 88. Bon. Mais maintenant, je sais qu'il y a un délai de temps qui fait que la civilisation humaine est à un point de bascule. Je ne veux pas le... Sur le moment, quand j'ai compris à quel point ça allait être grave,
peut-être que j'ai eu tendance à me dire, à voir le tableau d'une manière plus catastrophiste que je le vois maintenant. C'est-à-dire que je me dis, de toute façon, la nature n'a rien à fiche de nous, elle va se réorganiser, elle va trouver un nouveau point d'équilibre, et peut-être que les êtres humains se faufileront, mais auparavant, il est très vraisemblable que l'essentiel de ce qu'on connaît ne fonctionnera plus, n'aura plus lieu. Et comme ça s'est produit grâce à plusieurs auteurs, on le sait maintenant plusieurs fois dans l'histoire, il n'y a aucune raison de penser qu'on va y échapper. Donc on peut faire des choses, mais je suis sans illusion sur le fait que, à la fin de ce siècle, soit on aura retourné la situation, soit, bon, mes arrière-petits-enfants feront face à un monde qui n'aura strictement rien à voir avec tout ce que j'aurais pu connaître, vivre, et bon, c'est la loi de la vie, hein. Après tout, si tout d'un coup je faisais un bond dans le passé, supposons de 100 000 ans, et que je tombais sur les premières petites bandes errantes d'êtres humains avec des petites sociétés très organisées, très solidaires, pour se protéger, bon, et je venais leur raconter ce qu'est un téléphone portable. Bon. Donc il faut voir ça dans la profondeur de l'histoire comme elle est. Et donc là, on a une tâche à faire, une responsabilité qu'on peut prendre, on la prend, on l'assume, et advienne que pourra. Prendre conscience des choses, est-ce que ça vous a fait une petite dépression? Est-ce que c'est de la solastalgie? C'est-à-dire... Non, d'abord, prendre conscience, ça me fait marrer, j'ai souri, parce que le wokisme, comme ils disent, c'est-à-dire s'éveiller. Je vois, il y a une querelle autour de ce mot qui me fait me marrer. Parce que, bon, je pense que c'est le fait d'ignorants qui ne savent pas que s'éveiller, s'émanciper, c'est l'histoire longue de la pensée. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui m'a fait marrer? Mais bon, ça, non, c'est pas drôle, hein, pardon. Hein. Mais la lutte contre l'intersectionnalité, c'est tellement ridicule. C'est à peu près comme si vous me disiez je suis opposé à la loi de la gravitation parce que ça fait tomber. Bah oui, peut-être bien, mais c'est une loi de la nature. Et l'intersectionnalité en politique, c'est de la sociologie. Il y a donc des couches qui s'accumulent de causes et d'effets. Voilà, bon. Enfin bon, pardon, c'était pas votre question. Mais comme vous avez commencé par le mot éveillé, c'est pour ça que j'ai réagi, je me suis dit, il va me parler de ça. Mais non, c'est pas de ça dont vous me parlez. Non, la conscience n'est pas une souffrance. Hein. Ça peut être une secousse, mais c'est jamais douloureux. Pour moi, ça me met toujours un appétit de savoir. Et je trouve ça excitant. Je lis beaucoup, des fois j'ai le sentiment d'avoir trouvé une piste, alors je m'engage à fond. Je me dis, si je ne suis pas élu à cette élection présidentielle, j'irai m'inscrire en fac pour améliorer ma formation et puis faire de l'anthropologie. Donc je n'ai... La prise de conscience n'a... Ça dépend comment on s'est construit. Hein. Moi, j'ai fait un passage par Albert Camus, qui n'était pas un passage obligé pour quelqu'un comme moi, qui était un matérialiste au sens marxiste du terme, ou philosophique du terme. Le passage par Camus n'était pas obligatoire. D'autant que Camus, c'est pas tout à fait la famille d'une certaine gauche. Bon. Mais enfin, peu importe. Et dans le mythe de Sisyphe, qui m'a impressionné et marqué, je crois, à vie, j'ai retenu la leçon. Vous savez, Sisyphe est condamné, alors le rocher roule jusqu'en bas, puis quand il faut aller en bas, il faut qu'il le remonte. Et puis, le truc redescend, il faut le remonter. Et Camus spécule, réfléchit sur... il dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Bon, c'est une phrase, mais moi, c'est ce bonheur qui m'a interrogé. En quoi il consistait? Alors lui dit, tenir le rocher, le bon... Je pense de même, chaque fois qu'on est devant une énorme difficulté désespérante, j'en reviens à ça, à la joie de trouver sa place. Et je crois que pour un intellectuel, y a comme c'est Léon Trotsky qui dit, c'est une phrase de Léon Trotsky, je crois, qui m'a marqué, qui dit, il n'y a pas de bonheur plus grand que pour un intellectuel que de comprendre ce qui se passe et y trouver sa place. Bon, pour lui, ça n'a pas été fameux comme résultat, mais si on prend l'enseignement, il peut nous servir encore aujourd'hui. Donc la conscience, elle peut être douloureuse, elle peut être
sidéré sur certains sujets, vous voyez, et on ne sort pas de cette sidération. Par exemple, le génocide des Juifs par les nazis reste pour moi un objet de sidération absolue. J'ai lu des choses sur le sujet. Anna Arendt parle bien de la banalité du mal dans le procès Eichmann. Comment des gens ont pu organiser et se déresponsabiliser. Genre, c'est pas moi. Moi, j'organisais des trains. Le reste, je sais pas. Et cette force tranquille du mal qui aboutit sur l'exécution méthodique de 6 millions de personnes. Après, ça a été d'autres massacres. Je pense, par exemple, aux dictatures argentines. Ils ont tué 30 000 personnes. Et la dictature a failli, d'ailleurs. Elle a provoqué sans doute des éléments de sa propre chute par le caractère méthodique qu'était cet assassinat. Et toute une série de militaires disaient « Mais nous, on est militaires, on veut bien combattre le terrorisme et tout ça, bien sûr, mais tuer des gens comme ça, faut se rendre compte de ce que ça veut dire, tuer 30 000 personnes. Ça veut dire les ramasser, les arrêter, les numéroter, vous savez, les bureaucrates ont besoin de ça, il faut qu'ils fassent des listes. J'ai connu quelqu'un qui tapait des listes, contre son gré. » Ma grand-mère disait toujours « Méfie-toi des gens qui tiennent des listes. » Pas complètement tort. Mais j'ai connu une femme qui tenait une liste comme ça, contre son gré. Hein. Je ne voudrais pas que mes propos la blessent si elle est toujours vivante. Et le fait de l'avoir connue m'a aidé à mieux comprendre comment les tyrans pouvaient organiser des meurtres de masse avec une complicité énorme, parce que tuer 30 000 personnes, c'est une industrie. Hein. Donc ma sidération dans ce domaine, elle reste la même. C'est-à-dire, j'ai toujours pas compris. Et c'est pas que j'admets pas, mais je suis toujours aussi glacé par ça. Hein. Et quelle que soit la situation, quel que soit le régime politique, quand quelque chose se met en œuvre qui est de cette nature, alors oui, c'est les moments où on a des doutes sur ce que les êtres humains sont capables de faire. Si bien que l'extrême conscience vous met toujours à la limite de la misanthropie, c'est-à-dire de cet endroit où vous dites « mais ils sont capables de ça, alors à quoi bon ?» hein. Mais ça ne le fait pas parce que, sitôt que vous en avez conscience, c'est un peu comme tout processus de savoir. L'autre soir, je racontais ça aux gens, ça les a fait rire, mais mon idée était, j'aboutirai dans un prochain meeting, je vais développer ma pensée sur le sujet, mais je disais, vous savez, si vous savez rien, imaginez que le savoir et l'ignorance, le savoir c'est un point, d'accord? Il y a une circonférence. Si vous savez rien, la circonférence est toute petite. Donc vous savez pas que vous savez pas. Mais plus vous en savez, plus la circonférence est grande, et plus vous savez que vous savez pas. Alors ça s'applique aux responsabilités de la conscience, mais c'est pareil pour le sentiment moral de la liberté. Plus vous savez à quel point quelqu'un est capable de faire n'importe quoi, plus le prix de votre propre liberté et de votre capacité à décider et l'extraordinaire responsabilité que ça vous confère, tout d'un coup vous surgit et ça par contre c'est merveilleux, parce que c'est une prise de conscience de soi, de sa liberté, de sa responsabilité, et c'est très prométhéen comme mythe. Hein. Prométhée dit, ah ben, parce qu'Épiméthée a oublié de donner à tous les animaux quelque chose, puis au dernier moment, mais il lui reste l'homme, zut, il ne sait rien faire. Il ne sait pas courir vite, il n'a pas de griffes, il n'a pas de grosses dents. Alors bon, désespoir, arrive Prométhée, alors Épiméthée, il paraît que ça veut dire celui qui ne se rappelle pas ou qui n'a pas prévu. Et puis Prométhée, alors lui, c'est le gars qui a prévu. Et alors il dit, bon, bah, il ne reste rien, alors je vous donne l'intelligence. Et l'intelligence, mais pas pour juste pour dire vous allez vous débrouiller. Dans le mythe, hein, il dit, parce que comme ça vous allez décider qui vous êtes. Et moi je suis fondamentalement prométhéen. Et la naissance de l'humanisme en Europe, c'est ça. C'est d'abord ça. On part de ça. Bon, comme j'ai répété 10 000 fois, je ne vais pas faire le pédant. Mais c'est le livre de Pic de la Mirandole qui s'appelle De la dignité de l'homme. Et il pose ça. C'est pourquoi. Je crois que c'est mon école philosophique et intellectuelle. Et le jour où j'ai fini ma première brillante élection présidentielle, c'est-à-dire en 2017, quand j'ai eu terminé, bon, on a un peu soufflé. Je suis allé
dans une maison à Marseille qui était bien isolée. Et la première chose que j'ai fait, c'est essayer d'écrire un texte que j'ai écrit pour faire le lien entre le concept d'insoumission, au sens le plus large possible, et l'humanisme du départ. Hein. Et je continue à travailler cette idée. Si vous voulez, on ne fait pas de politique dans ma famille, au sens large, hein, sans philosophie, ça n'existe pas. Et je ne veux pas dire que mes adversaires n'en fassent pas. Alors, ceux qui assument, hein, je ne parle pas des... ils font quatre slogans avec deux publicitaires et puis quatre experts qui sortent d'un bureau et qui les impressionnent avec des grands mots. Alors après, ils courent, ils racontent ça, mais c'est pas vrai que... Ça a l'air de fonctionner quand même. Des fois, ouais, bah tout est permis. Hein. On arrive bien à vous faire acheter des choses qui vous servent à rien, alors donc on peut bien arriver à vous faire voter pour des trucs qui vont se retourner contre vous. Mais je veux pas que mon propos laisse entendre qu'il n'y aurait pas dans le camp d'en face ou qui s'oppose, alors parce qu'en face, il y a ceux à qui on, c'est l'adversaire absolu, hein, c'est l'ennemi, et puis l'adversaire. Bon, le temps passant, disons que je ne mets pas sur le même plan quelqu'un de droite et quelqu'un d'extrême droite. Pour moi, ce n'est pas pareil. Peut-être que plus jeune, oui, j'aurais dit, oui, c'est tous les mêmes. Je ne sais pas, on disait des trucs comme ça. Bon, non, ce n'est pas vrai. Il y a une droite républicaine et ils croient à d'autres choses. Eux, ils croient que... bon, il donne une place à l'individu qui est quasiment en opposition à la société. Celle qui avait été le plus loin dans cette vision du monde, c'est Madame Thatcher. Alors elle était plutôt la branche libérale. En France, la droite traditionnelle, elle est plus patrimoniale, plus... ils ont ce défaut-là, quoi. Hein, c'est des réacs bontins, mais ils sont méchants sans le savoir. Pas toujours, hein. Il y en a qui le savent, et puis bon, ils s'en foutent d'ailleurs. Mais les libéraux, c'est une autre variété, hein. Ils sont sévères. C'est Madame Thatcher. Alors elle disait, et c'est pour ça qu'elle est intéressante, elle dit un truc qui est terrible, elle dit « La société n'existe pas. » La société n'existe pas, non. Il n'y a que des individus qui sont obligés d'être en relation les uns avec les autres, et s'ils optimisent la nature de leur relation, ça ira bien pour tout le monde. C'est incroyable, de brutalité, mais en même temps, reconnaissons, d'intelligence. Parce que, bon, c'est une vision du monde qui est très cohérente. Je pense que le président Macron, il est dans cette vision du monde. Et qu'il le sache ou pas, mais à mon avis, il est assez cultivé pour le savoir. Et en faire une manière d'être. Si vous voulez, on ne peut pas s'expliquer. Les saillies qu'il fait de la part d'un homme intelligent et cultivé, comment il trouve le moyen de traiter les uns d'illettrés, les autres de rien, mais la droite ne nous parlait pas comme ça avant. Il disait qu'on était des gens de peu. Bon, peu, c'était déjà quelque chose, mais rien. Bon, on ne peut pas s'expliquer ce genre de sortie s'il n'y a pas dans son esprit ça. C'est-à-dire, au fond, la société n'existe pas et vous êtes entièrement responsable, au sens littéral du terme, mais pas le mien. Moi, je dis, vous êtes entièrement, moralement responsable de ce que vous faites. Lui, il considère que vous êtes responsable de votre sort. Alors, bon, à la faute du chômage, c'est acquis aux chômeurs. Et alors là où il nous a fait le maximum, c'est... Et la maladie, c'est la faute à qui? Aux malades. Vous n'avez qu'à vous vacciner, si vous ne serez pas malade. Donc vous nous cassez les pieds, et puisque vous nous cassez les pieds, je vais vous les casser également, et il dit, je vais vous emmerder. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Un gars qui dirige un pays, et qui a l'air de découvrir que gouverner un pays, c'est pas gouverner des choses. On n'est peut-être que 67 ou 68 millions, mais ce sont des Français. Des gens avec un certain niveau de culture, pas trop habitués à s'en laisser compter. Ils sont disciplinés, hein, parce que vous avez vu ce qu'ils ont supporté. Le confinement, le masque, pas de masque, oui le masque, enlevez le masque, remettez-le, le médical, le FP2, et sortez, rentrez, signez-vous un papier pour vous autoriser à sortir. Tout le monde a accepté cet immense exercice de dressage que ça a été. Moi, j'ai trouvé les Français magnifiques. Parce que le président avait dit « Nous sommes en guerre ». C'est complètement fou de tenir un propos pareil. Ça n'a pas de sens, on ne fait pas la guerre à un virus. On a une crise sanitaire, donc on affronte une crise sanitaire. Donc, il faut des réponses scientifiques. Qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis des moyens. Bon, alors les moyens, en gros, comment on augmente l'immunité des personnes et de la société. Vous êtes vacciné? Oui, oui.
Oui, je l'ai fait parce qu'on m'a dit... d'abord parce que, bon, je fais partie des gens qui croient au vaccin, quoi. Je m'en excuse auprès de ceux qui, peut-être, n'y croient pas de manière virulente, mais moi, je crois à la science, bon. Alors après, je sais qu'il y a un doute sur son efficacité, je le connais. Puis là, il est évident, le doute, hein. Ça marche pas avec Omicron, c'est normal. C'est pas un bouclier universel. Puis à la vérité, je vais vous dire... Je m'en fous, quoi. Omicron est une épidémie différente de Covid-19, puisque le barrage de Covid-19 n'empêche pas Omicron. Alors donc, bref, on affronte une situation de crise sanitaire. Et donc, il y faut des réponses adaptées à ce que c'est. Si c'est la guerre, bah, on fait la guerre. Si c'est la crise sanitaire, bah, on fait la crise sanitaire. Mais on ne mélange pas les deux. Et surtout, pourquoi on ne mélange pas les deux? Parce qu'on fausse l'imaginaire des gens. Et nous autres, êtres humains, on ne travaille qu'avec l'imaginaire. Toute notre tête est une machine à produire des explications. Si vous voulez établir des différences entre des gens qui ont des maladies, des handicaps mentaux et d'autres, c'est souvent la capacité à imaginer pour expliquer. Et il y a des cerveaux qui ont de la difficulté à imaginer. Donc, quick, ils coupent. C'est-à-dire, il y a un bruit violent, votre cerveau ne produit pas « Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais réagir ?» Il produit « C'est rien passé. Pouf !» Dans la vie politique aussi, on voit des gens comme ça, dont le cerveau n'a pas assez d'imagination pour se dire « Tiens, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» Et puis, vous avez la ribambelle des technocrates qui n'arrivent pas à comprendre, par exemple, pourquoi la population des Antilles ne veut pas se vacciner. Ils arrivent. Alors, comme ils n'arrivent pas à trouver une explication, ils en inventent. On ne peut pas l'entendre. Oui, je crois que vous avez raison de dire ça. Parce que, pour une part, ils n'ont pas envie de s'entendre dire pourquoi. Mais enfin, le résultat à la fin, j'ai vu sur un plateau de télé un type dire tranquillement que c'était parce que les Martiniquais croyaient au vaudou. Alors là, on vous entend, mais les Martiniquais, les premiers, ils disent « Mais pour qui nous prend, quoi ?» En plus, il est mal tombé, parce que la Martinique, un type sur un plateau, j'ai oublié son nom, mais ça m'a tellement... Bon, sur les plateaux, on entend tout, hein. Tout, absolument tout, et puis personne ne les arrête, hein. Le gars dit ce qu'il veut, le suivant, et oui, alors maintenant, on passe la parole à monsieur machin, qui dit n'importe quoi, on passe au suivant. On est bien là, non? Où? Ici. Bon, j'en sais rien. Ouais, pour l'instant, ça va. Attendez, faut pas faire confiance. Lénine disait, il y a que les imbéciles qui font confiance. Mais lui, il a peut-être trop fait confiance à d'autres. Vous êtes toujours comme ça, sur... pas la défensive, mais... comme un animal blessé qui s'attend à se faire reblesser. Non, je vais vous dire, c'est plus simple. Je suis malentendant, de naissance. Et bienvenue au club. Il paraît que vous aussi... Bon, alors vous connaissez comment se construit la psychologie d'un malentendant, si vous êtes matérialiste. C'est que tant que vous ne voyez pas les gens, vous ne savez pas qu'ils sont là. Donc, la plupart du temps, la vie surgit pour vous. Et donc, vous passez votre temps, votre cerveau passe son temps, hein, faut pas avoir peur, c'est pas grave. Bon, j'ai observé les gens qui entendaient mal, et je me suis aperçu que beaucoup... et je me suis aperçu, je le faisais aussi, passe beaucoup de temps à bien regarder par où quelqu'un peut entrer, parce qu'on essaye quand même de rester civil. Donc, les résistants aussi regardent toujours qui peut entrer. Oui, et moi je ne m'assois jamais le dos à la porte, vous non plus. Alors bon, il faut raconter des histoires, je vous en propose une, parce que sinon ça fait un peu moche. On a le temps, vas-y. Non, mais non, c'est pas qu'on a le temps, mais je vous la raconte, vous l'enlèverez si elle vous gêne. Mais... Non, c'est en direct. C'est vrai qu'on est en direct. Ah oui, c'est vrai qu'on est en direct. Il paraît que Jesse James est mort comme ça. Un type rentre dans le bistrot et il dit « Ah, c'est Jesse James !» Et il vient tirer dessus. Alors, et pourquoi? Parce que c'était Jesse James, voilà. Alors, si vous voyez que l'art de faire parler de soi en se rendant, en marchandant son pouvoir de nuisance, le plus grand cas qu'on ait dans ce cas, moi je parle, en tant que vous ne m'arrêtez pas, je passe d'une idée à l'autre. Hein. Vous connaissez le plus grand cas de l'histoire de type qui a marchandé un buzz? Le premier buzz de l'histoire, c'est vers... C'est les extraterrestres aux États-Unis, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. C'est le 5 ou 6e siècle. Orson Welles, non? Non, le plus grand buzz. Allons! C'est dans l'Antiquité grecque. C'est un type qui a foutu le feu au temple d'Artémis à Éphèse. Et alors c'était une des merveilles du monde. Il dit, pourquoi vous avez fait ça? Pour qu'on parle de moi? Pour que, dit-il, pour que la notoriété retienne mon nom.
Et donc les juges, horrifiés, après l'avoir condamné à mort, décident que partout où son nom serait gravé, on l'enlèverait. Hein. Alors disons que par solidarité avec cette merveille du monde incendié, je ne vous dirai pas son nom et vous irez le chercher. Mais ça m'a amusé une fois de penser que, la première fois que cette histoire m'est revenue à l'esprit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je répète le nom d'un salaud qui avait calculé son affaire pour faire du buzz, et quand même, 25 siècles après, à cause de moi, on parle de lui. C'est pas un peu de la cancel culture, ça? De la cancel culture. Ouais. La cancel culture, en France, ça a bien commencé. On a foutu par terre la Bastille, donc... bon, ça veut rien dire, ils ont inventé un nom. C'est normal que les gens changent les statuts de place. Depuis toujours, on fait ça. Alors, regardez, quand ils mettent la statue de Saddam Hussein par terre, personne n'a été dire c'est de la cancel culture. Dans tout l'Est, ils ont enlevé les statues de Lénine, de Staline, et apparemment, personne ne les regrette. Non, pas partout. Non, pas partout, vous avez raison, il en reste. Bon, il y en avait vraiment beaucoup, donc il y en a pour un moment à les enlever toutes. Et nous aussi, on a enlevé les révolutionnaires de 89. Si vous êtes passé à Saint-Denis, à la cathédrale, ils ont tout pété, quoi. Tout cassé, et puis ils se vengeaient. Alors c'est assez banal. Quelqu'un m'a dit, mais vous trouvez normal d'enlever la statue de Colbert? Moi, perso, je réfléchis. Avant de crier, juste deux secondes, dire, mais pourquoi des gens intelligents que je connais veulent enlever la statue de Colbert? Ben, parce qu'il a fait le code noir. Et alors, le code noir, c'est un code, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, qui prévoit les punitions, les conditions dans lesquelles les esclaves sont traités. Alors évidemment, vous avez des gens qui viennent, qui disent, c'est pas faux, hein, qui disent, ah oui, mais c'était l'époque. Heureusement qu'il y avait un code, parce que comme ça, c'est moins pire que de laisser faire les gens n'importe quoi. Oui, mais ça, c'est pas un argument. On peut comprendre que ceux qui sont les descendants soient absolument horrifiés. Chaque fois qu'ils croisent la statue d'un type qu'a imaginé comment tabasser, parce qu'ils en avaient une peur bleue, des esclaves. Hein. Les esclaves ont passé leur temps à se révolter, c'était pas des gentils dans un coin, ils ne sont pas laissés faire. Et donc on peut comprendre que des gens soient horrifiés à l'idée qu'on mette en statue un type qui a inventé des trucs pareils. Et puis que les gens intelligents aussi soient horrifiés. Et disent, mais je comprends pas comment... Bon, ok, c'est l'histoire, mais on n'est pas obligé de célébrer ça. Je vous donne un exemple, parce que là, vous pensez que je suis un peu loin, mais je peux revenir sur des choses plus concrètes. Vous êtes installé au Sénat. Vous êtes un gars de gauche, j'avais été élu, comme moi. On vous met à votre banc, dans la gauche de l'hémicycle, c'est-à-dire à la gauche du président, et vous avez une énorme statue. Énorme, hein. Il est marqué dessous Saint-Louis. Déjà, vous dites, hé oh, c'est la République laïque ici, ou quoi? Pourquoi il est saint, celui-là? Il s'appelle Louis IX, non? Alors après... Vous allez chercher dans les bouquins, maintenant même plus besoin, il y a le moteur de recherche, Wikipédia. Puis vous apprenez que ce Saint-Louis... rendait la justice. Bah oui, tu parles qu'il rendait la justice. Le mec, il a inventé la punition du blasphème par le percement de la langue au fer rouge et la rouelle pour les juifs. Après, a brûlé quelques Torahs et décidé de les foutre dehors. Les juifs ont été expulsés de France, on le soit. C'était une habitude dans l'Ancien Régime de persécuter les Juifs quand ça les occupait. Bon, ils prenaient une mesure comme ça, 11 fois. Bon, on ne peut pas dire que ça a marché fort d'ailleurs, ni contre les protestants. Toutes les répressions religieuses n'ont jamais rien donné d'autre que rien du tout et beaucoup de souffrance pour rien. Les protestants, ça n'arrêtait pas, pour un oui, pour un non. Alors, et que je te mets l'édit de Nantes, après je te le retire. Alors bon, ils mettaient les dragons à domicile pour convaincre les gens d'être chrétiens, catholiques. Vous imaginez le mode de persuasion qu'un dragon pouvait faire. C'est Louis XIV qui faisait là à Montpellier, à la statue de Louis XIV, elle est tournée vers les Cévennes. Le gars, il est roi de France, il est persuadé qu'il a reconquis pour les âmes dans les Cévennes. Alors vous voyez, la politique, parce qu'on n'en sort pas, c'est tout le passé, l'histoire, le présent, comment tout ça se mêle, et à la fin, chacun de nous produit un résultat. Et il y a un type qui a essayé de faire le malin et de penser qu'il était le producteur officiel d'un résultat qui n'existe pas. Et il s'appelle Monsieur Zemmour. Et avant ça, vous avez Madame Le Pen. Alors ils pensent qu'eux, ils incarnent ce qu'ils appellent la tradition. Donc dans leur esprit, le futur est un passé toujours recommencé. Mais c'est malheureux, ignorent que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qu'ils disent n'a jamais existé. La France n'a jamais été comme ça. Ou alors très peu de temps, et dans certains milieux.
La France n'était pas unifiée par une religion. Il y en a toujours eu trois, les juifs, les protestants, les catholiques. Et puis, maintenant, il y a les musulmans. Et puis, il y a aussi les bouddhistes. Et les apostats. Ben, ça va de soi, mais ceux-là, ils mourraient vite. Hein. Je ne vais pas me lancer sur les apostats. Si. Alors, c'est pas le sujet. On se fait un coup d'apostat. On a dit que l'apostasie. On a le temps. Alors, l'apostat est celui qui a renié Dieu. On va juste faire un tout petit bout d'histoire, pour rigoler. Hein. Parce qu'on est français et qu'on aime bien Paris. Vous connaissez le boulevard Saint-Michel? C'est un lieu de manif, non? Vous savez quand est-ce qu'elle a eu lieu, la première manif, là? Ça doit être... je vais vraiment me tromper, là, j'ai l'air d'un idiot. Je ne sais plus si c'est 293 de notre ère, ou un peu plus tard. Enfin, bref. Il y a eu à Paris, une fois, un empereur romain, qui n'était pas romain pour un sou, il arrivait d'Orient. Il y en avait deux à l'époque d'empereurs. Et le premier, qui était le vrai boss, fout le deuxième à Paris, on lui dit, après lui avoir massacré sa famille, toi tu vas là-bas. Alors, Paris, c'est Ploucland, hein. Il y a une île, un arpenteur romain est arrivé après la conquête avec son bâton, s'appelle Gromain, il y a quatre petits plombs, et puis tout droit, la rue Saint-Jacques, Cardo Maximus, d'accord? Donc quand vous êtes au 174, il y a un marchand de vin qui est là, Nicolas, c'est là que le gars s'est mis. Et il y avait le bord comme ça, le Panthéon, ok? Donc, là où il y a le Panthéon à côté, jusqu'au jardin. Et après, commence le boulevard Saint-Michel. Donc à cette époque-là, c'est l'empereur... Côté Burger King et McDonald's, maintenant. Ouais, maintenant, oui, hélas. Et alors donc, l'empereur qui est en Orient, dit à celui qui est à Paris, il lui dit, hey, toi là, viens, on a besoin de toi, amène tes légions. Il y en avait deux. Alors, moi, lui, ok, j'arrive. C'est pas possible de dire non. Mais les légionnaires, ils en entendent parler. Pas de bol, hein. C'est des légionnaires gaulois. Donc ça s'est très mal passé. Dès qu'ils ont entendu dire ça, ils disent quoi? Nous, légionnaires, oui, mais ici, en Orient, pas question. On quitte pas nos femmes, on quitte pas nos gosses, on reste ici. Et donc, ils ont fait une manif. Donc, vous savez, le boulevard Saint-Michel, en bas, vous avez les Ternes, je crois. Après, vous passez, vous êtes sur l'île de la Cité, il y a le palais de justice, c'est là qu'était le... C'est là qu'était l'empereur numéro 2, qui a failli mourir là-dedans, parce qu'il y a eu un feu qui a mal tourné dans sa cheminée. Et, enfin, je vous raconte pas la suite, mais lui, il finit par devenir empereur, l'autre empereur se fâche, il dit, mais dis donc, on t'a dit de venir, t'es toujours pas là. Alors le gars au milieu, oui, oui, j'arrive, aux Gaulois, attendez, ça va s'arranger, c'est un malentendu. Coup de chance, coup de peau absolu, l'oriental meurt. Donc l'empereur, c'est lui. Il monte sur son cheval, il court jusqu'à Constantinople, ça prend un mois et demi, et quand il arrive, bon, il leur dit, maintenant c'est moi qui commande. Et il commence par dire, le catholicisme, ça commence à bien faire. Le christianisme à l'époque. Ça, c'est pas notre religion, on va rétablir l'ancienne religion. Problème, personne ne se rappelle comment on fait pour sacrifier un bœuf à Jupiter. Pour, bon, ça n'a pas marché du tout, son histoire, ça a foiré. Mais par contre, les chrétiens, eux, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, il est resté dans l'histoire comme Julien l'apostat. Il a fini par se prendre une flèche dans le dos, à une bataille, à mon avis... si les tireurs étaient derrière, mais il a fait avant un très beau texte qui s'appelle le Misopogone, et il dit aux mecs d'Antioche, il leur dit, ah d'accord, ah je ne me parfume pas comme vous, ah d'accord, je ne me rase pas la barbe, mais l'empereur c'est moi, alors vous allez me recevoir, et vous allez vous taire, et faire ce que je vous ai dit de faire. D'accord, à quoi les gens naturellement lui ont répondu, tout antiochien qu'ils étaient, comme des Gaulois, va te faire voir, et donc il est mort peu de temps après, donc tout le monde en a été débarrassé. Mais nous autres Français, le seul empereur romain qui ait jamais eu chez nous, c'est un apostat. Et la France a un ancrage. Toute son histoire. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la France. Une de ses composantes. Toute son histoire est une histoire de révolte contre le cléricalisme. Les grandes hérésies populaires du Moyen-Âge sont toutes des hérésies populaires. Et frappent le clergé lié à la noblesse. Le premier acte dur d'un roi de France pour affirmer son autorité, c'est Philippe le Bel contre le pape Boniface. Après, quand ils mettent sur pied, qu'ils élisent Henri IV, qu'ils mettent Henri IV comme roi, c'est un protestant, il a fallu qu'il y ait un parti royaliste qui dise « nous on s'en fout de la religion », je le disais pas trop fort, hein, mais c'est l'aîné de la branche aînée qui est roi, le reste on ne veut pas le savoir.
la religion ne doit pas servir de prétexte. Un type comme Montaigne est là-dedans. Bon, ça nous a éloigné de la géopolitique, mais ça va nous permettre d'y arriver par la place qu'occupent de nouveau les religions dans la politique. Avant de rentrer dans le côté géopolitique de la chose, j'aimerais qu'on revienne sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, toutes les limites qui sont dépassées, comme la pollution chimique, le plastique, la surconsommation. Vous, si vous arrivez à la place suprême, comment on va combattre ça? On va combattre ça auprès des industriels, on va combattre ça dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer, on va pas leur expliquer, on va leur faire comprendre, on va pas leur faire comprendre, on va leur imposer, on va pas leur imposer. Comment on fait quand on a une population occidentale qui depuis 40 ans a été bercée par du neuromarketing en leur mettant profondément dans la tête que avoir une grosse bagnole, avoir des machins, des petites pépettes, aller là, là, bon, on s'est compris. Comment on fait? On rase l'industrie de la publicité, on la rase pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord commençons par le plus difficile dans la question. C'est les habitudes prises par... Et ces habitudes, c'est une culture. Une culture, c'est toujours global, ça. Vous l'avez dans la peau, dans la chair. Tout le monde s'est habitué à des actes absurdes. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'un rasoir jetable, il faut vous souvenir que j'ai vu mon grand-père avec le coupe-chou. Alors, comme la vue baissait avec le temps, il se mettait vers la fenêtre avec le gros miroir, et puis il se rasait avec le savon, le coupe-chou. Quand ils avaient vu arriver les lames de rasoir, ils trouvaient que c'était quand même un peu... Ben alors nous, quand on a vu les rasoirs jetables arriver en plastique, pareil, on s'est dit, vous êtes fous là, Il y a une clope jetable électrique. Sauf que même moi j'en ai. Et des fois ça m'arrive de me dire, il marche pas mal, hein, il marche mieux que l'autre. Forcément, si je changeais plus souvent les lames, je m'arracherais moins la figure, mais bref, c'est pour vous dire. On a pris comme ça, là je prends un exemple tout petit, mais du plastique, il y en a partout. Quand vous remplacez les cuillères en plastique, ou les fourchettes en plastique par des couverts en bois, demandez autour de vous, les gens disent « Ouais, c'est bien, c'est responsable, enfin, ah, c'est pas pareil. » Ils ont l'impression que le plastique n'a pas de goût, mais que le bois, si. Alors donc, il ne faut pas raconter d'histoire. Il faudra profondément changer nos habitudes, nos manières de vivre. Mais par la loi, par la contrainte, par le changement ? Non, commençons. Mais j'ai voulu d'abord dire ça, pour pouvoir d'abord dire, écoutez, ne vous racontez pas d'histoire, ce n'est pas une affaire extérieure à vous. Je vous mets une parenthèse. Le coût des couverts plastiques, c'est interdit maintenant. Sauf que pour continuer à vendre ça, ils disent, c'est réutilisable. Mais ça marche plus. On a fini par voter qu'il n'y a rien à faire. C'est ni réutilisable, ni rien du tout. Vous ne le ferez pas. L'Empia, vous allez voir. Je vais venir sur la production, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, la production. Mais d'abord, on commence par la culture. Hein. Parce que si on nie ça, on ne comprend pas ce qu'il y a à faire. Et on ne peut pas mener les gens à la trique. D'accord ? C'est essayer de gouverner par la force ou la violence, vous n'y arriverez pas. Alors, s'il va falloir changer tout ça... Ça veut dire que les consciences doivent évoluer. Moi, je pense que les consciences sont mûres. Je vais vous dire pourquoi. Tout le monde sait que ça ne peut pas durer. Mais peut-être pas moi, ou peut-être cette fois-ci, pas cette fois-ci. Hein ? Encore un petit coup pour la route. Le couvert, il est renouvelable, il est réutilisable, j'ai qu'à le laver. Bon, donc, on est tous des êtres humains, donc on est dans la pente, toujours... On fait ce qui coûte le moins d'efforts. Hein. Même les révolutions. On dit qu'en général, les masses font ce qui coûte le moins d'efforts. Alors. Donc c'est par l'amont qu'on va régler l'affaire. Et je ne crois pas à une politique écologique qui repose à 100% sur c'est de ta faute. Parce que ça, je reconnais les libéraux derrière ça. J'ai dit, la maladie, c'est le malade qui est responsable, le chômeur est responsable du chômage, le pauvre de la pauvreté. Non, c'est pas vrai. On n'a pas le choix. Et il est énorme de voir le nombre de fois où on vous dit n'abusez pas de ceci, ne faites pas cela. Ben, t'as qu'à pas le filer si tu veux pas qu'on le fasse. Donc il faut changer et partir aussi du défi.
accepter le défi technique. L'exemple du plastique. Bien sûr qu'on ne peut pas continuer. C'est impossible. Il va bientôt y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer. On le sait, on connaît la date. 2050, si on continue à balancer nos ordures comme ça dans la mer Méditerranée, sera un égout, il y aura plus de plastique que de poissons. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit pas déjà le cas. Perturbateurs endocriniens chez les races de poissons, changement de sexe chez les mérous. Absolument, et ils sont tellement nazes. Normalement, ils changent de sexe, normalement, les mérous. Les observateurs, mais là... comme ça réchauffe, ça s'évapore plus vite. Et comme ça s'évapore plus vite, c'est plus de flotte qui tombe d'un coup et plus de neige à certains endroits. Dedans, il y a du plastique. Il y a un pays où dans le Mont Blanc, il y a du plastique dans la neige. Plastique qui vient de la mer Méditerranée, ou d'ailleurs, des mers. Souvent, je donne cet exemple, je crois que c'est au Groenland, ils ont interdit aux femmes de manger des poissons parce qu'ils sont pleins de plastique. Pas au Groenland, mais dans les pays nordiques, certains poissons qui concentrent trop de mercure, comme le saumon, le thon, sont interdits aux femmes enceintes. Plus de une ou trois fois par mois. Alors le poisson, tiens au passage, puisqu'on est sur le poisson, il s'est passé en 2013 un événement immense dans la civilisation humaine qui est passé inaperçu. Ah, vous savez pas? C'est le livre de Nabila. Non, cette année-là, on a mangé plus de poissons d'élevage que de poissons pêchés. Donc dans le domaine du poisson, on est passé de la cueillette ou de la chasse à l'élevage. C'est ce qui s'est passé au Néolithique, quand on a découvert, il paraît qu'on a mis sur pied de manière méthodique l'agriculture. Il semble que c'est un peu antérieur, mais enfin bon. Alors on reste sur les productions. Donc il faut changer les productions, et puis partir du plus haut niveau d'exigence, pas au rabais. Vous avez l'habitude d'avoir du plastique, très bien. Est-ce qu'on peut faire du plastique biosourcé et qui se décompose? Point. Oui, on sait le faire, avec des algues, ça coûte plus cher. Alors, déjà, il y a la grande rupture psychologique, la grande rupture mentale, philosophique, c'est à bas le moins cher. Moins cher n'existe pas. Le bon marché coûte très cher. Voilà, parce que c'est toujours payé par quelqu'un, soit la nature en saccage, on paye rien. Soit avec du sang de pauvre. Soit avec du sang de pauvre. Oui. Et il y a un lien entre une violence sociale... finit toujours par une violence dans la nature. Et une violence dans la nature finit toujours comme une violence sociale. Ça, c'est très important à bien comprendre, parce que, si vous voulez, ce que j'ai gardé de mon passé de militant, vous vous rendez compte, je vous ai dit tout à l'heure mon âge. Donc moi, j'ai commencé à militer, il existait un truc qui s'appelait l'Union soviétique, et on pensait que, dans certaines familles politiques, on pensait que l'avenir du monde, c'était le communisme, et qu'en Union soviétique, on faisait les préparatifs. D'accord? Bon, pouf, il ne reste plus rien de tout ça. Rien, pas une pierre sur l'autre. Rien, plus rien. Il y a une magnifique interview de Lionel Jospin, je ne sais pas, rendu compte. Et il dit, on pensait qu'on finirait par faire un compromis, mais de tout ça, il ne reste plus rien. Mais de cette période, il reste des choses. L'idée qu'on peut imaginer le monde différemment. C'est important, quand vous êtes dans un monde sans bord, vous voyez, le monde est entièrement globalisé par le capitalisme financier. Il n'y a pas de bord. Vous ne pouvez pas aller quelque part où vous dire, il n'y a plus de capitalisme financier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même dans la plus profonde tribu, la plus perdue, quelqu'un a un objet, un truc en plastique ou un autre. On est obligé de dire, on n'entre pas en contact. Hein? Voilà, on en est là. Avec les tribus les plus perdues pour qu'ils n'entendent pas parler de nous et surtout de nos microbes. Mais imaginer qu'un autre monde est possible nécessite qu'on en ait une clarté d'analyse. Sans théorie claire, pas de pratique claire. Ce que je dis là, c'est pas les révolutionnaires de 1917, c'est du Kant. Hein? Pas d'idée claire, pas d'action claire. Voilà. Donc il faut repenser, s'habituer à repenser, non seulement les relations dans le monde, qui est le nouvel acteur social pour moi, c'est le peuple, c'est pas le prolétariat, mais aussi avec d'autres outils d'entrée. Alors, le seul outil qu'on connaissait avant, c'était le partage et l'égalité. Important, ça reste fondateur. Hein. Mais en même temps, au passage, on s'est fait mettre dans le crâne quelques idées qu'il va falloir mettre dehors. Lesquelles ? Celle-là, moins chère. T'es malin si tu prends moins cher. Ah ouais, je vais être malin. Puis d'ailleurs, si j'ai moins cher, je vais pouvoir prendre plus. Deuxième idée bizarre.
Elle va de soi pour tout le monde. Hein. Vous avez des faux airs d'Abbé Pierre, là. Ah, puis t'en as qui ont rien. Vous avez entendu ? Oui, oui, j'ai entendu, mais je relève pas. C'est un curé, l'Abbé Pierre. Oui, il disait pas que des bêtises. Bon, il y a même... En tout cas, ce que j'ai retenu du créneau Abbé Pierre, si j'ose dire, c'est un vieux militant qui me l'a appris. Et il n'était pas socialiste, il était gaulliste. Et le gars, il termine le film de mon petit camarade, La Sociale, là. Hein. Et attends, parce que tu vois, quand tu vas dire un nom, tu l'oublies. Bon. Le film La Sociale et Gilles Perret. Et il dit, le gars, il regarde l'écran et il dit, en politique, on peut faire des milliers d'erreurs et de fautes, mais on est sûr de ne pas se tromper si on se met du côté des pauvres. Alors, je sais que c'est pas un concept très lutte de classe, hein, mais la lutte doit inclure le point de vue de celui qui n'est plus en état de lutter. Et la responsabilité de celui qui peut lutter, elle est d'assumer aussi sa part de lutte à la place de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle... Hein, et de restaurer la dignité des faibles. Oui, mais la responsabilité morale, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est un public assez particulier qui va venir écouter, bon, il va être peut-être socialement un peu typé. Hein. Pourquoi assez particulier ? Parce que il faut pouvoir accéder à l'Internet, tout le monde n'y est pas. Deuxièmement, parce que il faut avoir l'appétit des choses compliquées, et c'est pas répandu dans tous les milieux. Vous avez des gens très riches qui sont d'une stupidité insondable et qui ne s'intéressent à rien, alors qu'ils prennent des responsabilités inouïes dans la vie, hein. Voilà. Et puis aussi dans les milieux populaires, des gens qui disent ah, tout ça, c'est toutes leurs histoires, c'est tous des menteurs. Bon, donc il y a plein de raisons de penser qu'on va avoir ici un public qui, au départ, que ça intéresse. Et ce public-là, il faut qu'il aille au bout de la morale qu'il doit construire. Hein. Des fois, je me fais jeter à la figure par des types qui se croient malins. Ils me disent, comment vous osez parler comme ça, vous qui êtes millionnaire? D'abord, hein, je ne suis pas millionnaire, ou plus exactement. Votre dernière déclaration de patrimoine pour la présidentielle, c'est combien? Je ne me rappelle plus, mais ça doit être... 900 000 balles, non? Ah non, non, maintenant ça doit être plus, parce que à Paris, vous n'avez rien besoin de faire. Hein. Moi, j'ai acheté les mètres carrés au bon moment, j'ai revendu. Et maintenant, là où je suis, je ne bougerai plus, hein, personne ne m'enlèvera de là. J'ai déjà dit 10 fois, moi, ce n'est pas un capital que j'ai acheté, c'est un appart, les gars. Donc, moi, je vous le donne si vous voulez, hein. Mais vous avez des garanties à me donner à moi. Bon, bref, vous avez compris, c'est une blague. Mais c'est pour dire que quand le mètre carré augmente en 15 ans de 350%, d'accord, moi, j'ai refait la peinture à l'intérieur. Mais j'ai rien changé dehors, je suis pour rien. Hein. Si ça va mieux ou ça va moins bien, vous n'allez pas me voir moi, je suis pour rien. Bref, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que la morale ne peut pas consister à dire profite et tais-toi. D'accord ? Donc, quel que soit ton niveau de revenu, et d'ailleurs, il y a des gens qui ont de l'argent et qui partagent mon combat. Et il y en a d'autres qui n'en ont pas et qui me jettent des pierres. Donc, bien sûr, la condition sociale va déterminer l'intérêt pour un programme. Vous voyez bien que quand je dis que tout ce qu'il y a au-dessus de 12 millions dans l'héritage, je le donne aux jeunes gens qui sont en faculté ou au lycée professionnel, bon. Celui qui a 35 millions, ça l'enchante pas. Il va dire, mais comment, il me prend la moitié, ou 24 millions, il me prend la moitié, mais ça va pas, parce qu'on n'a jamais assez. Hein. Enfin, quand même, je le jette dans la pauvreté avec 12 millions. Alors, il est clair que celui qui a rien, il dit, mais Mélenchon, il a raison, pourquoi il leur laisse 12 millions? Mais celui qui a plus, non. Mais il peut être d'accord, vous voyez? Et on a connu des gens qui fonctionnaient comme ça. C'est très curieux. Ils accumulent toute leur vie, puis quand ils arrivent vers le bout, ils disent « Ouais, bon, maintenant, je donne tout. » On a connu. Alors, c'est pas le plus grand nombre. Hein. Puis ça n'efface pas les méfaits d'un système. Le système capitaliste n'est pas le résultat, le capitalisme financier hein, de notre époque, c'est pas le résultat d'une volonté individuelle. C'est un système. Il se protège en tant que système. Alors, tout ça pour dire que ne jamais perdre de vue qu'un engagement politique contient un engagement moral et un engagement philosophique. Des fois, vous ne le savez pas. Vous êtes dans un point de vue, mais vous ne le savez pas. Qu'en même temps, vous trimballez avec vous une morale et une philosophie de l'existence. Des fois, vous le découvrez, et puis bon, bah, vous arrangez avec votre conscience. Hein. On dit souvent que
L'écologie, c'est un sport de bobo riche qui va acheter ses petites tomates bio, qui va aller faire ses petits choux bio, qui va prendre ses petites chaussures en cuir bio. Celui... Pas en cuir, s'il est en plus vegan, parce qu'on se moque des vegans. Ouais, il faut pas se moquer des gens. Et comment on fait quand on est pris dans ce système d'hyperconsommation capitalistique avec un salaire de misère, qu'on est obligé de manger des tomates dopées à X 1,30 dents, qu'on est obligé de manger du poulet dopé qui vit sur de la merde, je suis désolé, je suis en guerre. Parler à ces gens-là, on devient inaudible en leur disant voilà, le bon marché, ça coûte cher. Quand, quand la majorité est dans la survie, déjà en mangeant des produits pas chers, développés pour ce capitalisme qui a besoin de main-d'œuvre. Et qui ne sont pas des bons produits, qui contiennent moins de vitamines, moins d'éléments nutritifs. Qui contiennent les hommes. Ouais, ouais. L'État, le président, il fait quoi ? Il impose aux industriels ? Bah oui, il n'y a pas le choix. Bon, d'abord, commençons par apprécier ce que vous venez de dire dans son fondement. Non, l'écologie, c'est pas un sport de bobo. Il s'agit de l'intérêt général humain. Si vous n'êtes pas le content, allez crever dans votre coin, mais comprenez que les autres essayent de faire autre chose. Je me fais l'avocat du... Non, mais j'ai compris, j'ai très bien compris. Mais vous faites bien de le faire, parce qu'il faut poser cet argument sur la table. Il sert à discréditer un combat. Hein ? Alors je veux bien qu'ici ou là, il peut y avoir des excès, hein, de des gens qui se comportent comme des donneurs de leçons, parce que souvent, ils sont même pas conscients du mal qu'ils font. Je veux dire, le type qui là. Mais je vais vous donner un exemple. Vous allumez votre télé, vous tapez une campagne sur les 5 fruits et légumes qu'il faut manger tous les jours pour bien se porter, etc. Mais ben, vous avez un tas de gens, mais on peut pas manger 5 fruits et légumes, ça coûte trop cher. Mais imaginez-vous l'humiliation que c'est. La pub passe et vous êtes avec vos gosses. Et vous avez votre gosse qui est premier de la classe parce qu'il travaille bien, et l'autre qui suit, qui s'intéresse à tout, qui dit « Pourquoi on mange pas 5 fruits et légumes, papa ? Pourquoi on n'a pas 5 fruits et légumes ?»« Ah non, il n'y avait pas 5 fruits et légumes aujourd'hui. » Toi, tu réponds quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux répondre ? J'ai vu une fois un gars, pas loin de chez moi, là. Il avait ses deux petits à la main, et il passe devant le marchand de fruits à Paris, et le marchand de fruits, il vendait des petites bananes, vous voyez ? Et le gars, il a dû se dire « Des petites bananes, ça va être un petit prix. » Il les prend, et au moment de payer, je l'ai vu, hein, il repose et il dit merci. Et il s'en va avec les deux gosses. Ah, j'avais le cœur en cendres. J'ai compris ce que ça voulait dire. Bref, donc on rigole pas avec ça, on le prend au sérieux. Tout le monde a le droit d'avoir le bon manger, mais il faut arrêter de raconter des salades. Pour faire ça, il faut changer le système. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Si vous ne partagez pas la richesse, vous ne pouvez pas augmenter les salaires. Si vous n'augmentez pas les salaires et les minimums sociaux, les gens ne peuvent pas s'acheter le bon manger. Par conséquent, le progrès social, c'est du progrès écologique à la sortie. Alors, un, rectifier la situation. Je dis toujours ça, moi ça m'amuse de dire ça, augmenter le SMIC, c'est écolo. Alors, on va dire, comment c'est écolo ? Bah si, bah, tout simplement parce que ça va nous aider à payer les produits au prix où on doit les payer. C'est un problème politico-économique très important dans notre société. Pendant toutes les 30 glorieuses, qui n'étaient pas si glorieuses que ça pour tout le monde, ils ont réussi à faire tomber le prix de l'alimentation de 20% du budget à 9%. Ça veut dire 11 points de gagnés sur le dos des paysans et de la qualité de ce qu'on mange. Alors aujourd'hui, vous ne voulez pas entendre ? Très bien, faites comme vous l'entendez, parfait, pour produire plus, moins cher. En avant, du glyphosate partout. Monsieur Mélenchon, ça coûte moins cher. C'est vous qui allez arracher l'herbe, monsieur Mélenchon ? Et ainsi de suite. Toutes ces blagues de rustres. Hein ? Bon, eh bien, très bien. Donc, il n'y avait pas d'agriculture avant que vous ayez inventé le glyphosate. Les gens, ils mangeaient quoi ? Ils broutaient les arbres ? Non, il y avait une agriculture. Alors, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. D'accord ? D'ailleurs, il y a plein de paysans qui ont décidé, eux, ils ne veulent plus mettre de pesticides. Bon. Donc, un, les pesticides. Vous n'avez pas voulu, vous en avez mis partout, et vous voulez continuer. Eh ben non. Pourquoi ? Parce que maintenant, 90% des rivières contiennent du pesticide. Vous, allez faire pipi, tchouk, on analyse ça, vous êtes contaminé. Alors ça vous a pas suffi ce qui s'est passé aux Antilles avec le chlordécone ? Pareil, on leur a dit, oh, c'est pas grave, c'est pour les bananes. Et puis ça tue le ver des bananes. Alors, moi, je suis pas un ver, j'aime pas les bananes, donc pas de problème. Hein ? Ben si. 99% des gens, on leur fait une prise de sang, on trouve du chlordécone, on sait que c'est un antillais. Et ça, ça a été fait délibérément. Parce qu'aux États-Unis, ils ont arrêté dans les années 70,
Et nous, en France, on a arrêté en 90, sauf dans les Antilles, où on leur a encore mis 3 ans pour finir les stocks. Hein, faut toujours un petit bout de pain pour finir le petit bout de fromage, puis un petit bout de fromage pour finir le petit bout de pain. Et avec le glyphosate, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors quand Macron est arrivé, il a dit « ben moi je vais arrêter ça ». Alors bon, ça c'était au début. Après il a dit « dans 3 ans ». Bon, il va à l'Europe et là-bas ils ont dit « ah non, dans 5 ans ». Ah puis d'ailleurs pas dans 5 ans, dans 5 ans on en reparle. Donc il continue. Un petit bout de pain pour un petit bout de fromage, etc. etc. Donc moi je l'interdirai. Ça, c'est la contrainte. Alors, on me dit, c'est pas possible du jour au lendemain. Ben, faudra vous y faire, trouver le moyen. Ben, c'est pas moi qui suis paysan, je sais pas comment on fait. Hein. Mais vous, si, vous savez, non, c'est votre métier. Ah ben tiens, il ne reste plus que 200 000 où sont passés les autres. Et tous les 3 jours, ils s'en pendent, hein, de misère, de solitude, de dégoût. Alors, qu'est-ce que c'est votre truc? Alors, les gens mangent mal. Ce qu'ils mangent, ils absorbent des saloperies. Les gens qui le font meurent d'ennui. Meurt de solitude, meurt de tension, et puis en plus, ils meurent de maladies qui se refilent eux-mêmes en mettant les produits que vous leur avez dit de mettre. Quelle est la logique de votre système? À quoi ça sert? C'est la raison pour laquelle, quand on préparait le programme, c'était un des hasards, hein, je connais un petit peu 3-4 choses en agriculture, parce que j'ai été journaliste dans cette branche un temps, enfin non, modestement, hein, et puis après, il se trouve que le hasard de la vie fait qu'un de mes bons copains, qui a fondé avec moi le parti de gauche à l'époque. Comment il s'appelle? Il s'appelle Laurent Levard. C'est un agronome. Et c'est lui qui a mis le premier au point un programme. Donc le premier programme qu'on a eu, quand on a eu quitté le PS, c'est un programme agricole, grâce à lui. Et il participe toujours d'ailleurs au travail commun avec moi, et je lui dois beaucoup. Alors donc, je connais le problème que ça soulève. Pas de glyphosate, ça va coûter plus cher. Ah ben oui. Ça va coûter plus cher et on n'achètera pas moins cher parce que j'interdirai aux produits qui contiennent du glyphosate d'entrer en France. Le plus gros consommateur de glyphosate en France, c'est qui? C'est la SNCF? Non? Non, c'est la vigne. Ah non, du glyphosate, pardon, de pesticides, c'est la vigne. Non, ah oui, ça doit être la SNCF. C'est possible, je sais pas. Joker. Je crois que vous avez raison. Peut-être que la SNCF a décidé d'arrêter, d'ailleurs. Elle a bien fait. Je vous coupe dans le raisonnement, je suis désolé. Je vais additionner un facteur débilitant à tout ça, qui est l'inflation qu'on est en train de se prendre sur l'énergie. L'énergie, le pétrole, c'est de la calorie, qui est ensuite transformée en engrais. En gros, on mange du pétrole maintenant. Comme le prix du pétrole augmente, la bouffe augmente, en plus de tous les effets délétères de l'hyperproduction, je vous en passe. Comment on fait, quand on veut devenir président de la République, quand on sait qu'on va se taper 10% d'inflation? Oh, ne me parlez pas d'un bonheur pareil. Ça réduit les dettes, c'est ça? D'abord, il y a 2 sujets. Hein. Il y a inflation et augmentation des salaires. Ah bah écoute, c'est pas moi qui vais pleurer, c'est une lutte de classe. Parce que pourquoi, en Europe, le banquier central, il dit « Ah non, on va pas faire comme les Américains, on va pas se mettre à tout serrer. Pourquoi ?» Pourquoi? Parce que le type, il a bien compris que si jamais il resserre les boulons, le temps que l'inflation s'efface, si jamais il y arrive, il va y avoir une montée des luttes. Donc il dit « Ah, continue à en mettre ». Ils ont pris l'habitude d'en mettre de tous les côtés, et ce système ne durera que ce qui dure. Mais l'inflation actuelle a une origine qui n'est pas celle à laquelle on s'attendait. L'origine à laquelle on s'attendait, c'est qu'on a tellement mis de monnaie en circulation que, bon, elle ne correspond pas à une valeur matérielle produite. Donc l'ajustement se fait par l'inflation. En fait, la monnaie montre qu'elle ne vaut rien, quoi. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de valeur matérielle derrière. Ça, c'est ce qui va se produire, mais attendez les gens, pas tout de suite. Ça vient, ça vient. Les Américains en ont mis un tel paquet en circulation que, alors, la chance qu'on a, c'est que dans la sphère financière, ils s'amusent entre eux, et comme personne ne revient avec ses billets pour acheter des choses réelles, ou pour les mettre en mouvement réel, on a toujours un décalage, et l'inflation ne se transmet pas si facilement qu'avant. Mais quand même, un jour ou l'autre... Le prix des actions. Bon,
un jour ou l'autre, quelqu'un a bah oui, le prix des actions, c'est monstrueux. Si vous comparez le progrès du prix des actions de ces gens qui ne savent plus où foutre leur fric, qui le mettent là-dedans et qui jouent sur le fait que ça augmente, bon, ben, les tarifs ne vont pas monter jusqu'au ciel, hein, les arbres non plus, ils n'y arrivent pas, donc il n'y a pas de raison que les cours de la bourse y arrivent. Donc, à un moment donné, il y a ce qu'ils appellent des corrections, c'est une catastrophe gigantesque pour tout le monde, enfin, pour tous ceux qui sont dessous. Ça n'a pas l'air de les traumatiser, la catastrophe ici, la catastrophe là-bas, puis bon, le lendemain, on reconstruit. Le système, c'est ça qui rend le capitalisme financier si dangereux. C'est qu'il est incapable de se corriger pour la raison qu'il vit des désastres qu'il produit. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Tous les autres systèmes ont été condamnés par leur incapacité à ceux qui n'arrivaient pas à se corriger. Prenons par exemple la bureaucratie soviétique. Bon, elle était incapable de corriger, faute de démocratie, les décisions absurdes qu'elle prenait, comme par exemple accepter la course aux armements avec les États-Unis. Donc ils se sont coupés les veines pour se payer ça. Et pourquoi? Tout simplement parce que les militaires étaient en nombre suffisant dans la bureaucratie pour dire « Ah là, vous touchez pas à ça, hein. Vous touchez là-bas si vous voulez, mais pas à nous ». Bref, comme il n'y avait pas de régulateur collectif, bah, le plus fort a eu le dernier mot. Le plus fort, c'était le plus bête. Donc, il a fait ce qu'il a foutu par terre l'Union soviétique. Je prends cet exemple parce que c'est le plus récent dans l'histoire récente. Mais là, ce capitalisme, lui, il profite des dégâts. Là, on vient de se taper la crise du Covid. Ils se sont enrichis. Qui n'est pas terminée. Non, qui n'est pas terminée, mais. Et puis, vous allez voir la suivante. Si vous avez aimé le Covid, vous allez adorer la grippe aviaire, ou je ne sais pas quoi après. Hein. Parce que le jour où mute, parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer tout à l'heure le raisonnement, mais le jour où le virus de la grippe aviaire mute à l'être humain, bonjour tout le monde, on croise les doigts pour que ça ne se produise pas. Hein. Mais en France, là, c'est chaud pour nous, hein, en ce moment. Le nombre d'élevages, on est en train de tuer des millions de bestioles. Et alors, si j'ose dire, le plus terrible, c'est que la grippe aviaire, ça ne concerne pas les œufs, ni la viande, ça concerne l'export. Donc on tue des millions de bestioles pour pouvoir être en état d'en exporter aussitôt qu'on veut. Tout c'est absurde. Une agriculture qui ne vit que parce qu'elle exporte. Donc vous avez accepté le marché global. On me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait pas ça? Ben, on va faire à manger. Il faut faire de l'agriculture vivrière. À quoi ça sert d'aller fabriquer du maïs pour nourrir des poules en Chine, qu'on va ensuite ramener? Tout ça est absurde, autant faire les poules ici. Et puis, chaque fois que vous ferez du soja en Argentine, il y en a, hein. Il y en a du soja en Argentine pour nourrir des bestioles ici, donc nous on va... C'est fou. Donc une de mes tâches, ça va être de dire on rétablit l'agriculture vivrière. Mais comme je suis pas fou, je me suis renseigné. J'en ai fini définitivement avec les yakas. Hein, les gens qui vous disent, ah, il faut yaka, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire là. Ouais, tu fais comment? Qui c'est qui va faire de l'agriculture vivrière? Vous pouvez me le dire. Ils sont où les 300 000 paysans dont j'ai besoin? Ah, faut les trouver. Donc faut leur faire autre chose qu'une vie comme celle que vous leur faites. Donc il en faut plus. Il faut qu'ils puissent travailler par roulement. Il faut accepter de payer le prix des choses. Et pour payer le prix des choses, il faut que les salaires soient bons. Pour que les salaires soient bons, il faut que ce n'est pas l'un prend tout et l'autre a rien. Et on ne peut pas dire que la masse de ce qu'on produit et la masse de la richesse est diminuée dans ce pays. Hein. Donc il y a de quoi. Mais alors, après, je ne raconte pas d'histoire. C'est une réorganisation. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Et ceux à qui ça ne va pas faire plaisir, c'est les plus puissants. C'est eux qui dominent les moyens de communication, qui sont capables. Vous avez vu, il l'a dit lui-même, là. Je ne veux pas dire le nom du PDG, d'ailleurs, je ne me rappelle pas. Qui a dit, ah ben non, mais ouais, c'est moi le patron. Je n'ai pas l'intention du tout de voir mon journal Les Échos développer des thèses marxistes. Alors bon, il se rassure, hein, il n'y a pas de trace de marxisme dans Les Échos, qui est un très bon journal, par ailleurs, et je le lis tous les jours. Mais en tout cas, il l'a dit, il n'a pas dit, mais non, pas du tout. Alors il dit, ça porte un grand nom, ça s'appelle la ligne éditoriale. Alors on termine sur l'agriculture. Il faut donc, un, que les gens soient prêts. Pour qu'ils soient prêts et qu'ils aient envie, il faut une prise de conscience. Et il faut que les conditions de vie soient honorables. Vous ne pouvez pas annoncer à des gens qui vont aller à la campagne, on ne va pas en prendre comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toi tu vas à la campagne, c'est impossible. Bon. On n'est pas chez Mao, c'est ça? Ben, déjà, on n'est pas chez Mao, pour commencer. Et puis ceux qui l'ont fait n'ont jamais rien réussi. Hein. Mao, lui, voulait faire des fonderies pour faire de l'acier. Alors ils ont pris les paysans, leur dit, vous faites de l'acier. Résultat, il n'y a eu ni blé, ni acier. Alors, ça a été grandiose comme méthode. Les sociétés humaines ne peuvent pas se manier à la trique. Voilà. Et alors, vous pouvez avoir l'illusion que c'est plus efficace. Je ne sais pas quel genre d'illusion ils ont eu cette année-là, parce qu'il y a eu du monde hein, qui est mort de cette invention. D'ailleurs, les dirigeants chinois n'ont plus voulu de cette ligne. Hein. C'est pour ça que l'autre a perdu le pouvoir à cette époque-là. Donc,
Ça, c'est pas la bonne méthode. La méthode, c'est la conviction, l'intérêt. Et vous avez plein de gens qui ont envie, qui aimeraient être paysans. La conviction, l'intérêt. Quand je regarde. Il y a des mesures aussi à prendre. Hein. Là, les mesures. Ah, bah, quand tu dis j'interdis le glyphosate, tu l'as interdit, hein, donc il faut assumer. Et après, on va dire, bon, bah, alors on interdit quand les produits dans lesquels il y a du glyphosate. Alors, vous voyez l'histoire avec l'Europe. Les convictions, le sens. J'étudie beaucoup et j'écoute beaucoup et je regarde beaucoup les insoumis. Les insoumis. Vos électeurs, vos militants. Il y en a de toutes sortes. Hein. Ouais, ouais, ouais. La plupart sont bienveillants. Contrairement à d'autres formations politiques, la plupart sont bienveillants. Il y a quelques fanatiques, mais... Enragés, disons. Ouais, je dirais plus fanatiques qu'enragés. Mais la plupart sont bienveillants. Ah, merci. Dites pas merci, c'est la vérité. On les voit bien sur Internet. Ça me fait plaisir, moi, de l'entendre. C'est pour ça que je vous dis merci. D'habitude, on me dit qu'on est une bande de sauvages. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est les premiers à se donner la main. Ils sont solidaires. Ils s'échangent des bouquins. Quand il y en a un qui est dans la merde, il y en a un autre qui débarque pour l'aider. Quand ils ont des points de vue différents, ils échangent. Ils se tapent pas sur la gueule tout de suite. C'est une expérience que j'ai depuis à peu près 7 ans à regarder et écouter les militants politiques. Et chez vous, ils sont plus relax. Ils sont... Mais vous êtes que 13%. Donc développer de la conviction, développer du sens. Comment vous allez faire pour irradier et s'aimer ces valeurs alors que notre société est en perte de sens total, que les convictions, les gamins fantasment plus sur une connasse à Dubaï ou au Qatar qui fait de l'évasion fiscale et qui se fait siliconner 25 fois les lèvres et j'en passe, c'est les meilleurs. Comment on fait pour se battre face, je vais pas dire, à cette perte de sens? Comment on fait pour remettre dans la tête des gamins autre chose que des footballeurs qui se payent des caisses à je ne sais pas quel prix et combattre l'épidémie, moi j'appelle ça l'épidémie des Instagrammeuses, influenceuses, donc relais de propagande. Comment on fait pour mettre des graines dans la tête des mômes? D'abord, on essaye de comprendre ce qui se passe et de ne pas être trop, par rapport à soi-même, hein, devant son miroir, pas trop donneur de leçons. Pas se dire, moi je sais, et puis vous... le même môme qui se passionne pour une bêtise, comme vous, racontez pas d'histoire, vous devez aussi avoir des passions ridicules dont vous ne nous parlerez pas. La peinture sur soi. Bah, bah, par exemple, c'est pas une passion ridicule. Attends, si, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que vous faites? Et la poterie. Ah, tiens, alors de mieux en mieux. De mieux en mieux. Vous faites de la poterie? Avec quoi vous gravez dessus? Avec du petit bois. Et voilà. Vous savez que j'ai un grand... Non, vous savez pas. J'ai un grand rêve que j'ai dit à des archéologues. J'aurais dit, vous allez pouvoir trouver des sons fossiles, un jour ou l'autre, parce que les poteries du fond du temps de l'humanité, elles ont été faites par un type qui devait dire « Ah, zut !» pour être poli, hein, « Ah, j'ai encore raté le tour !» dans une langue qu'on ne connaît pas, ou bien s'adresser à son gosse ou à sa femme et lui dire quelque chose. Donc un jour, on trouvera des sons fossiles. Mais on a déjà trouvé des sons fossiles avec des pierres. On a retrouvé, alors ça, on fait une parenthèse, c'est mon tour. Donc on trouve des pierres. On sort du on s'en fout entre nous. Alors, on trouve des pierres et ils ont compris que ces fameuses pierres, on pouvait taper dessus. C'était comme des xylophones et on reproduit les sons que les gens réécoutaient et c'est la musique qui se connecte. Oui, mais t'as pas la partition. Ah non, on n'a pas la partition. C'est con. Et quand j'ai raconté ça à mes archéologues, ça les a fait marrer. Et il faut dire que l'idée m'est venue en lisant une nouvelle de science-fiction. De chez qui? Je ne me rappelle plus. Hélas, je ne me rappelle plus. Et le gars avait inventé, il y avait un verre qui avait une qualité particulière, c'est qu'il arrêtait la lumière. Et puis il la laissait passer, mais au bout d'un temps. Donc, on voyait de l'autre côté dans la nouvelle de science-fiction, hein, ça n'existe pas. Il ralentissait la lumière. Ouais. Donc tu voyais le spectacle de... il y a un an, il y a deux ans, qui apparaissait derrière le verre. Alors, le truc était assez bien fait parce que c'était une enquête policière. Et le policier qui faisait son enquête s'était aperçu que le verre du pare-brise était de cette,
du beurre, enfin du crime, était de cette nature-là. Donc il reconstituait le pare-brise pour revoir l'image. Bref, j'adore les anticipations qui nous font regarder les objets différemment. Puisque c'est vous qui me parlez de poterie, la vôtre de poterie, je suis sûr que maintenant que je vous ai collé ça dans la tête, plus jamais vous ferez une poterie en sifflotant ou en parlant, sans vous dire « Mais Mélenchon m'a dit que je suis en train de graver pour dans 10 000 ans, ou peut-être juste dans 10 ans, quelqu'un va trouver. » Vous parliez de la signature. Ben oui. Ah. Non, mais quand vous gravez dessus... Non, mais vous avez un tour. Vous faites le tour comme ça, la ficelle. Moi, je monte au colombin. Comme ça? Oui, oui. D'accord. Moi, c'est avec des petits boudins. Ouais, mais vous avez un tour. Non, pas obligatoirement. Ah. Non, mais un tour, c'est bien, justement pour les sons fossiles. Je ne sais pas où on est parti, là, dans l'histoire. Mais non, ça va nous éloigner et nous rapprocher d'une certaine... On va remettre en cause les évidences. C'était ça, votre point de départ. Hein. Les choses qui nous paraissent évidentes, qui sont depuis toujours là, celles que nous avons intériorisées. Comme l'art d'apprendre. Voilà. Mais d'abord, je vais vous dire une chose, jeune homme. Ça a toujours été comme ça. Si vous m'appelez jeune homme, je vais vous appeler vieux dans pas longtemps. Ah ben si vous voulez, moi ça ne me vexera pas, ils appelaient Léon Trotsky comme ça, et moi j'appelais François Mitterrand le vieux. Mais, pardon, je retire le jeune homme, parce j'admets qu'il soit vous trop. Vous pouvez laisser. Mais c'était juste pour vous peut-être au-delà de vous, hein, parmi ceux qui m'écoutent et qui posent cette question, parce qu'elle existe, elle est vraiment posée. Je leur dis souvent, mais quand est-ce que vous croyez que ça a été facile? Parce que il y a des gars qui viennent me voir et me disent, du temps où la classe ouvrière était concentrée dans des grandes usines, ben c'est bien connu, c'était le socialisme, hein. Ben non. Et pourtant ils étaient concentrés, et pourtant ils étaient exploités. Et on a créé un syndicat. Et puis ensuite on a créé un parti. Et puis le parti s'est coupé en deux. Et puis en trois, parce que l'adversaire, il avait l'art aussi, hein, d'y mettre les doigts pour que tout dégénère. Et puis soi-même, on y mettait toute la... Bref. Ça n'a jamais été facile. Et puis, pardon, je ne veux pas offenser les croyants, mais quand vous aviez fini la semaine de travail, tout le monde allait à l'église et le curé vous disait ce qu'il fallait penser. Ah, me dites pas le contraire, hein, c'était comme ça. Donc il y a toujours eu une idéologie dominante, des appareils idéologiques dominants. Bon, bah, alors après, chacun se remet en cause. Hein. Aujourd'hui, les curés catholiques, je ne crois pas qu'ils prêchent le libéralisme, hein, de ce que je crois savoir. Moi, en tout cas, j'ai des bons copains qui sont de la théologie de la libération, et c'est pas ça qu'ils prêchent. Hein. Bon, alors, ou même le pape, je ne sais pas si vous avez lu son encyclique, Fratelli Tutti, ou celle d'avant, Laudate Si, moi je les lis toutes. Par intérêt, pour... bon. Et en latin ou en français? Oh bah non, en français, je ne saurais plus lire en latin. J'ai su, hein, mais je ne saurais plus. Mais bref, tout ça pour vous dire, la lutte contre l'idéologie dominante, c'est surtout contre la domination d'idéologie. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut accepter de mettre en cause que ce dans quoi nous croyons que nous vivons comme une évidence n'est pas une évidence, est un produit du temps, des circonstances, des rapports de force sociale qui deviennent des rapports de force culturelle. Et là, Marx reste indépassable. L'idéologie dominante est l'idéologie de la classe dominante. Concrètement, concrètement, le gamin... C'est le nouveau mot d'ordre aujourd'hui, concrètement. Pragmatiquement, alors. D'accord. Ok. J'aime mieux. Ok. Le gamin, on fait quoi pour changer ses rêves? Mais on ne change pas ses rêves, ça va pas, non? Mais on le laisse rêver comme il veut. D'abord, il est plus conscient que ce que vous croyez. Mais il est comme tout le monde. Il a bien compris que la planète est foutue. Il en tire peut-être d'autres conclusions. Alors, il s'arrange avec sa conscience. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que je fais, moi? Toute la journée, on s'arrange avec notre conscience. Puis on dit, ah bon, alors, faut pas faire ci. Tu le fais quand même. Bon, moi, il faudrait que j'arrête de boire autant de café du matin au soir. Ben, j'en bois à chaque fois en me disant, bon, ok, j'arrête après. Voilà. Celui qui n'arrive pas à arrêter de fumer, moi, je sais ce que ça a coûté. Hein, le jour où il a fallu arrêter, bonjour. Hein. Ça a été dur. Là, ça fait un moment qu'on parle. Hein. Bon. Non, non. Alors, c'est que le début. Hein. Lutter contre l'idéologie dominante, ça passe par des... D'abord, faire confiance. Ne jamais se dire, celui à qui je parle est un crétin qui ne comprendra jamais rien, parce qu'il est trop bête, parce que ceci, parce que cela. Parce que les gens très bêtes et crétins au point de rien comprendre, c'est une toute petite, infime minorité. La masse des gens est bienveillante. Et elle se dit, comment bien faire? Et qu'est-ce que je peux faire de bien de ma vie? Les gens méchants, fondamentalement tordus, sont finalement peu nombreux. Alors d'abord, il faut arrêter d'en parler tout le temps. Si on passe son temps
à mettre en scène le crime abominable à tel endroit, à tel endroit. Il y en a toujours eu. Alors bien sûr, c'est abominable, mais ne parlons pas que de ça, ne voyons pas la vie qu'à travers ça. Voyons-la à travers tous ces gens qui font des trucs extraordinaires, ils vont à l'école pour apprendre, ils ont hâte de bien faire leur métier. Aujourd'hui, vous prenez le moindre jeune qui est dans n'importe quelle branche de l'enseignement professionnel, il regarde les matériaux qu'on le fait utiliser. Il dit, mais c'est quoi ça, ça va où? Où c'est qu'on le balance, hein? J'ai parlé, moi, avec l'autre jour, j'étais au musée de l'imprimerie, le gars, ils m'ont montré sa machine. Il me dit, on mettait de l'acide pour faire les plaques. Il me dit, on en foutait en l'air 500 litres tous les jours dans la flotte. Aujourd'hui, personne ne mettrait mais même une tasse. Il dirait, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Par contre, foutre du glyphosate partout, ça n'a pas l'air de les déranger. Ben si, ça va les déranger. Comment on fait pour faire monter 13% à plus? Ça dépend des circonstances. D'abord, un, il faut être patient. Deux, se dire qu'on lutte contre quelque chose de très puissant, qui n'est pas que l'ennemi que vous connaissez, l'adversaire qui va être le dominant de la société, mais que l'ennemi a pris pied en vous. Vous me disiez tout à l'heure comment on peut faire. Tout le monde est obligé de faire des compromis. Il faut arriver à rompre le compromis dans un bon rapport de force. Si vous allez au boulot, mettons que vous aimiez votre travail, je mets ça de côté. On aime notre travail. Bon, vous vous réalisez dans votre travail. On se dédie. Ouais, mais en même temps, vous ne perdez pas de vue que progressivement, vous êtes fait avoir votre vie. C'est pas grave. Pareil. Mais non. Vous êtes fait avoir votre vie. Non. Bah, moi, je suis à part. Mais oubliez-moi. Non. Mais non, mais je veux dire, le travail, il produit une richesse, vous la partagez. Moi, j'ai rien à partager que des idées. Plus je les partage, plus il y en a. Donc ça va. Mais quand on partage la richesse, on parle d'autre chose. Si vous vous êtes fait cramer votre vie, si vous avez passé votre temps à vous dévouer pour une entreprise, à revenir à la maison avec le portable sous le bras et à pourrir votre week-end avec, parce que le droit à la déconnexion, turlututu, c'est pipeau aujourd'hui, hein, donc il va falloir qu'on règle ça aussi. Eh bien, et combien de gens qui ont aujourd'hui la quarantaine commencent à dire « Eh oh, pourquoi j'ai fait tout ça, moi? Pourquoi je mène une vie de chien? D'accord, je suis bien payé, mais pourquoi faire ?» Et ça, beaucoup sont dans cette interrogation. Ça, c'est pour ceux qui avaient les meilleures places, les meilleurs jobs en général, ceux qui avaient les diplômes les plus avancés et tout ça. Et puis les autres qui sont dans des tâches plus répétitives, ils disent, mais c'est quoi le sens de la vie? S'il faut juste marner comme une bête, que tu mises tout sur tes enfants, tu dis, ben ils vont mieux vivre comme ont fait les miens. Hein, je vous raconte pas le jour où je suis revenu avec le bac, j'étais la star dans la maison, la famille, hein, personne ne l'avait eu avant moi. Alors, la licence de philo, alors là, c'était... Là, les gens, mes pauvres parents, grands-parents, tout ça, là, Jean-Luc, c'est un philosophe. Hein. Bon, vous misez tout sur votre gosse. Il revient avec le bon diplôme. Et quoi? Il est au chômage. Et quoi? Personne ne lui demande rien. Moi, partout où je passe, quand je vais dans les grandes écoles, comme dans les endroits où on n'est pas dans la grande école, mais dans une formation professionnelle à tout, je leur dis la même chose. Je vous préviens, si c'est moi qui gagne, il va falloir se retrousser les manches. Parce qu'il faut que vous me régliez le problème de l'accès à une énergie autre que nucléaire, là, pas dans 100 ans. Ok, j'ai un premier calendrier, on arrête en 2050 parce qu'on arrête progressivement. Mais moi, je vous demande d'aller plus vite. Parce que j'ai pas confiance dans ce qu'ils sont en train de faire. Je n'ai pas confiance en eux quand ils me disent « Mais non, vous inquiétez pas, c'est sûr. » Alors si c'est sûr, pourquoi t'enfermes 4 sur 10? Pourquoi t'as découvert dans 3 centrales que le système de refroidissement, il y avait des fissures dedans? D'où ça vient? Que vous avez mal formé les gens qui ont fabriqué cet acier? Que vous avez voulu faire du moins cher? Même en prenant des normes de sécurité, le problème du nucléaire, il n'est pas idéologique, il est concret, il est pratique. Donc c'est à vous. Là, je suis allé à Nantes voir l'école d'ingénieurs. Formidable. Alors on peut dire c'est des gosses de riches. Bah non. Non mais attends, t'en sais rien. C'est des gosses de la CSP+, faut pas raconter d'histoire. La majorité, hein, y a toujours des gens qui viennent de tous les milieux. Mais pour autant, est-ce qu'ils m'ont dit, moi ce que vous racontez, je m'en fous. Bon, moi je veux faire la bonne carrière, je veux avoir la bonne paye. Pas du tout. Ils ne me parlent que de technique. On va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire là, ça on peut pas, ça monsieur Mélenchon, un non. Et moi je leur pose que des questions de cette nature. Je leur ai demandé, on peut oui ou non faire de l'éolien offshore, qui me donne l'équivalent avec une dizaine ou une cinquantaine de vos éoliennes offshore, l'équivalent d'un réacteur. C'était un peu bancal le raisonnement. C'était un peu bancal. Pourquoi? C'est offshore, vous tabliez sur des éoliennes de nouvelle génération à rendement maximum et plein pot pour remplacer les réacteurs. Ça tient la route si on accepte de pousser un peu le raisonnement.
Mais pour l'instant, c'est pas efficient. Si, mais... Le nucléaire, ils l'ont monté comme ça. Hein, on ne savait pas le faire. Sur le coin d'une table. On a acheté les licences Westinghouse. Hein, et les Français ont commencé à rajouter des trucs jusqu'à ce que c'était tout autre chose à la sortie. Donc là, pourquoi on a fait le programme thermonucléaire avec Bernard Heisenberg, Pompidou et ainsi de suite. C'est pas tout, moi. C'était pour avoir la bombe. Non, commencez pas avec ça. Après, on va y venir à la bombe. Est-ce que la dissuasion, on va y venir. Pas de problème. Il faudra quand même qu'on pense qu'il faut que ça s'arrête, mais bon. Non, mais ça s'arrêtera pas. Bon, ah non, mais d'accord, mais moi, on m'attend aussi. Je vous attends. J'ai pas pris de montre. Eh ben, moi, j'ai pas de montre non plus. On a une réunion. Qui c'est une réunion? Non, je vous fais un mot. Encore, je vais vous raconter ma vie, non, mais bon, bref. Restons sur ce qu'on est en train de dire. Ça fait 1h20 qu'on est là. Ah bon? Donc on a le temps. Hein. Non mais moi je peux rester 9h. Hein, donc, très bien. Non, mais... Alors revenons sur le sujet que vous abordez. Vous me dites c'est un peu bancal. Je ne vous laisse pas dire ça sans répondre. Non, ce n'est pas bancal. Parce que la première éolienne offshore en mer, elle y est française, elle est expérimentale. C'est-à-dire qu'elle a des pales qui font que 40 mètres. Il faut qu'on passe à beaucoup plus que ça, pratiquement ça va faire 120 mètres à la fin, ça tombera. C'est une connerie phénoménale, il faut prendre des éoliennes verticales. Oui, mais il y en a des horizontales, d'autres qui sont dans des boîtes. Vous inquiétez pas, je suis bien au courant de tout ça, l'énergie de la mer, tout ce qu'on va pouvoir faire avec, à condition de s'y mettre, d'accord? Pas de faire de la flûte. La mer contient 66 fois l'énergie dont on a besoin sur Terre. Bon, là, en ce moment, je le raconte, on a une machine... à faire de la pour refroidir l'hôpital de Papette qui fonctionne sur le système de l'eau froide au fond, l'eau chaude en haut. La machine tourne et on arrive à produire l'air froid dont on a besoin. Donc il faut pas raconter d'histoire. Si on s'y met, on sait le faire. On est encore une grande nation technicienne. Le problème maintenant qu'on peut peut-être avoir, c'est que vous avez les têtes pour mettre au point la machine, mais vous n'avez pas les bras pour la fabriquer. On n'a pas les matières premières. Et les cerveaux. Ça c'est pas grave, on trouve toujours. Là on est sur des trucs. On va réouvrir des mines en France. Des mines de quoi? Non, il y en a des matériaux composites, on peut faire plein de choses. Est-ce qu'on va être obligé de réouvrir des mines en France? Des mines de quoi? De terres rares, de lithium, de toutes ces saloperies. Des mines de lithium, j'aimerais bien que vous me disiez où il y en a. Ça m'intéresse, hein. À part en Bolivie. La saumure. Non, d'accord. Est-ce qu'on va transférer notre dépendance à la Chine ailleurs qu'en Chine? Est-ce qu'on va transférer notre dépendance à l'Arabie Saoudite ou à la Russie? Ouais. Comment? Faut le vouloir d'abord. Non mais on peut dire non, on peut dire « Monsieur Mélenchon, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Pourquoi le pétrole est là-bas, il n'y a qu'à le faire venir. Hein, d'ailleurs on y arrive, qu'est-ce que vous nous saoulez ?» Bon, mais non, et on peut prendre le problème par l'autre bout et dire combien il nous faut de temps pour devenir. Moi ma ligne c'est, il faut être indépendant et souverain dans tous les domaines. On ne peut pas être indépendant et souverain dans tous les domaines comme ça. Mais il y a des domaines où il faut faire vite et fort et d'autres où on prend notre temps. Comment pourquoi on fait à 27 avec l'Europe? À 27? Oui. On peut faire pas mal de bêtises, hein. C'est déjà ça qui est à portée de main. Bon, non, j'y viendrai, mais laissez-moi terminer pour répondre à votre idée. Donc non, nous sommes capables d'avoir un système d'éoliennes offshore en mer, je dis bien en mer, parce que je suis d'accord pour dire que la beauté, c'est un bien précieux, et qu'on n'est pas obligé de saloper tous les paysages, d'accord? On n'est pas obligé de... Si on peut pas faire autrement, on le fait. Quand on a mis les pylônes à haute tension, on pouvait pas passer ailleurs que là où on passait. Donc on est passé. Mais si on peut, alors on se pose la question. Et d'ailleurs, les pylônes à haute tension, si on pouvait transporter l'énergie, parce qu'on a fait des progrès dans les recherches, qu'on peut enterrer beaucoup de ces choses-là, on le fera. Donc il faut avoir le goût de la science. Puis après, attendez. Pas que au bout, faire les beaux schémas, les belles machines dessinées. Il vous faut derrière... Tous ceux qui savent faire des bateaux de service, monter dans les bateaux de service pour faire le service, fabriquer les matériaux, donc ça veut dire des paquets de métiers qui s'apprennent dans l'enseignement professionnel. Maintenance des systèmes automatisés, métallerie, moteur, etc., etc., etc. Donc c'est toute la chaîne qu'il faut reconstruire. Hein, et pas seulement la mentalité qui aujourd'hui celle qui est au pouvoir. Et on le comprend, c'est leur formation. Le président, quel est son principal défaut, c'est ça. C'est qu'il est persuadé que vous mettez un paquet de dollars d'un côté, un paquet de tôle de l'autre, et au milieu il sort des bagnoles. Et il oublie qu'il faut du monde tout le long qui sait faire. Je caricature un peu, hein, mais c'est pour donner l'idée de montrer que on doit partir de l'ensemble de la chaîne de production et de sa construction ou reconstruction. Je vous ai dit la difficulté pour l'agriculture tout à l'heure, dans l'industrie c'est pareil. Donc moi mon idée c'est de créer des centres polytechniques dans tout le pays
sur la base des lycées professionnels qu'on a aujourd'hui, dans lequel on fait l'ensemble des formations, depuis le CAP jusqu'au BTS, y compris pour peser sur la psychologie des jeunes gens, parce que quand ils rentrent pour faire CAP, en général, vous les avez mis en morceaux avant, il faut d'abord qu'ils se reconstruisent, qu'ils reprennent confiance en eux. Alors, pour les amener jusqu'au bac pro, dont on a besoin, il faut un peu les pousser dans le dos, pour qu'ils prennent confiance en eux. Mais quand il y a BTS, alors ils disent « Ah, bac pro, c'est plus facile ». Je vous parle là de petites choses concrètes, mais vous m'avez demandé des choses concrètes. Donc je vous réponds des choses concrètes. Et le gars ou la fille, qui non seulement apprend un métier, mais apprend ce qui va avec le métier, c'est-à-dire ça, qu'on lui dit « c'est bien d'être utile aux autres », pas seulement « débrouille-toi pour t'en prendre le plus », c'est la réponse à la question avant celle-là. Vous m'avez dit comment on fait. Je vais vous dire une chose très importante. Je vous donne un exemple. J'étais à La Réunion et on célébrait la fin de l'esclavage. Alors bon, c'était magnifique l'endroit où on m'a amené. Je ne vous raconte pas ça, sinon ça va prendre une heure. Et j'allais m'en aller, je suis à l'aéroport et je croise un gars qui vient, il va vers moi, il me salue, tout ça. Il dit voilà, je suis prof d'anthropologie à Paris. Alors anthropologie, le mot magique pour moi. Donc je commence à discuter avec lui, et puis il me raconte des choses, et je lui dis, écoutez, je voudrais vous poser une question qui m'est mal à l'aise, il n'y a qu'à vous que je peux la poser. Puisqu'il y avait sans arrêt des révoltes d'esclaves, tout le temps, par petites taches, pourquoi il y a eu si rarement des révoltes généralisées avant la révolution de 89 et la grande révolution telle qu'elle a eu lieu à Saint-Domingue et tout. Il m'a dit une chose magique, cet homme. Il m'a dit, avant, la révolte était individuelle. Parce qu'il n'y avait pas l'idée qu'on avait des droits universels. À partir du moment où on proclame qu'il y a un droit universel, que tous les êtres humains ont vocation à être semblables, parce qu'ils le sont, et avoir des droits égaux, on change la mentalité de celui qui lutte. Et l'idée pénètre en profondeur dans la société. Les gens disent « Mais pourquoi tu vas me traiter comme ça, toi ? De quel droit tu vas me foutre des coups de fouet ? Pourquoi je vais travailler pour toi sans être payé ?» Et à ce moment-là, la révolte devient générale. C'est la puissance des idées. Les idées deviennent des forces matérielles quand elles se propagent. Mais par où peuvent-elles se propager ? Pas à coup de piqûre de l'avant-garde révolutionnaire qui vient proclamer la vérité, et alors tout le monde tombe à genoux en disant « Ah, que c'est beau, t'as raison ». Moi, j'ai déjà dit 100 fois à des copains, des bons copains, que j'aime en plus, « Dis, mais tu récites un catéchisme, comment veux-tu qu'on t'écoute ? D'accord, on a compris, on est exploité. Et alors, c'est quoi la sortie ? C'est ça qu'il faut montrer, quel autre monde ? Bref. Dans cette affaire, la force, la puissance de l'idée collectiviste, c'est qu'aujourd'hui, elle marche moins comme une idée abstraite, égalité, tu dis, oh, le voisin, égal, si je veux, hein. L'intérêt général humain. La force du collectivisme actuel, c'est la prise de conscience écologiste. Parce que quand vous comprenez qu'il y a des biens communs, que tout le monde va crever si on ne change pas l'air, alors c'est plus juste un truc bobo, comme disent les imbéciles, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et ça, vous ne l'arrêtez pas. Vous ne l'arrêtez pas. Si vous dites à un homme ou une femme, tes gosses, ils vont être bizarres une fois qu'ils auront bu un grand coup de glyphosate pendant toute leur vie, que toi, tu auras bu du glyphosate. Toi, tu vas être mal. Tes enfants vont être mal. C'est fini. Tout d'un coup, les gens se disent, mais pourquoi on ferait ça ? Surtout si vous avez un gars comme moi qui apparaît de temps à autre, circonstances de l'histoire qui vous mettent dans la situation de dire aux autres, vous êtes en train de vous faire avoir. Et moi, je ne lâcherai jamais, parce que vieux comme je suis, je ne fais plus carrière. Hein, je me mets moi en scène parce que ça... Mais ce n'est pas moi seulement. C'est tout seul, le gars, la fille à l'usine, en machin, en truc. Le premier qui résiste et qui dit aux autres, dites, mais pourquoi vous supportez un truc pareil ? Vous savez que vous allez être les dindons de la farce ? Alors ça se propage. Voilà ma réponse. Et après, il faut être patient. Patient. Hélas, l'histoire est cruelle parce qu'elle est longue. C'est surtout un long passé. On se réindustrialise comment ? On va chercher les matières premières avec les petits-enfants africains ? On fait comment ? On ouvre des mines chez nous ? On fait comment ? Déjà, on commence par dire ce qu'on veut faire. Parce que moi, je m'amuse de voir les types qui arrivent en disant « Il faut réindustrialiser. Ah oui, pourquoi faire ?» pour donner du boulot. Ah, très bien. Et on produit quoi, la sortie, s'il vous plaît ? Ils n'en savent rien. Il vaudrait mieux qu'il y ait de l'industrie en France. Par ce bout-là qu'il faut prendre le problème. Moi, je vous ai répondu. Pour aller mettre 50 éoliennes en mer, hein, pour faire la puissance d'un réacteur, il faut les fabriquer, les gars. Ça s'appelle réindustrialiser. Alors, quand je dis réindustrialiser, je dis de quoi ? Il faut faire ça. Il faut qu'on arrive à maîtriser complètement la filière hydrogène. Parce que tous ceux qui sont en train de vous vendre de la bagnole électrique, ils oublient de vous dire que pour 1 million de bagnoles, il faut un réacteur de plus. Ou des centrales à charbon. Eh ben oui, ou des centrales, alors n'en parlons pas, parce que tout le monde a compris que ça ne sert à rien. Donc, la réindustrialisation,
c'est pas un objectif en soi. Ce qui est un objectif, c'est ce dont nous avons besoin. Comment on s'y prend pour le fabriquer? Est-ce qu'on a besoin de consommer moins d'énergie? Est-ce qu'on rentre... Ah ben, vaudrait mieux. On va pas avoir le choix, de toutes les manières. Est-ce qu'on rentre en décroissance? Est-ce qu'on continue la croissance? La question est trop abstraite, ami. Alors, vous le dis. Non, mais j'ai compris. Mais je sais bien qu'on me la pose comme ça. Donc, vous êtes un bon porte-parole ou écho d'une question qui se pose. Et on ne peut pas demander non plus à tout le monde d'aller découper les cheveux en quatre pour mieux comprendre ce qu'il y a dedans. Mais c'est mon rôle de le faire. Vous me posez la question, je vous réponds. Le mot décroissance, il a été inventé. J'ai eu de belles discussions avec Paul Ariès, qui est l'homme qui maniait ça le plus, et il disait c'est un mot au but. Il disait ça oblige à la discussion. Comme moi, quand j'ai sorti planification écologique, je savais très bien ce que j'étais en train de faire. Tout le monde, ah, planification ! Tous les imbéciles de la Terre sont sortis de leur boîte pour me dire, ah, c'est l'Union soviétique. Ils oubliaient juste que la planification a été inventée par les capitalistes, pas par les soviétiques. Et que, bon, on faisait la planification partout. Et là, c'est pareil, décroissance. Alors, l'intérêt, la victoire idéologique qu'a remporté ceux qui se sont battus là-dessus, c'est qu'ils ont permis de comprendre que la croissance n'est pas le seul mode de fonctionnement de la société. Alors, comme vous et moi, on est tous pareils, on regarde, on dit décroissant, ça dépend de quoi? Au bout de 5 minutes, vous dites, ça dépend de quoi? Oui, certaines choses vont décroître, non, d'autres vont devoir croître. Si je veux fabriquer les éoliennes dont je vous parle, ben, il va bien falloir développer ça. Si je suis en train de vous dire qu'il faut des bateaux de service pour desservir tout ça, il faut bien les construire. Donc ça, c'est une activité qui va croître. Donc, la décroissance, elle va être ciblée. Il y a des choses qui vont décroître et d'autres qui vont croître. Il y a des activités... Pardon ? Qu'est-ce qui va décroître ? Eh bien, des consommations absurdes, des consommations néfastes. Par exemple, il y aura une nette décroissance de la production du glyphosate, puisque ça va être interdit. Je prends un exemple caricatural, mais je pourrais le prendre dans d'autres domaines. La fabrication de masse des objets jetables, c'est fini. Bon, à côté de ça, tous ceux qui ont aujourd'hui, c'est des petites entreprises, hein, qui font des couverts en bois, il va falloir qu'ils en fassent davantage. Ah, mais où va trouver le bois, les amis? Ah, ben il est là-bas, il faut aller le chercher. Qui c'est qui amène la machine? Où elle est fabriquée? Qui c'est qui la pilote, la machine? Vous allez devoir répondre à tout ça, il faut trouver les gens. C'est fini de se dire on s'en fout, les Chinois, on leur donne notre bois et nous ramène des meubles. Hein, c'est pour les Suédois, ça. Alors nous, on vend notre bois comme on est riche. Hein. On vend notre bois, alors on n'a pas le temps de s'en occuper. Et puis ils nous ramènent des meubles, puis alors après, on donne ça, et puis ils nous ramènent autre chose. Puis à la fin, on ne sait plus rien faire. Donc toutes ces choses vont croître. Et il y a des métiers. L'ONF, ils ont tué l'ONF. En virant les gens et en mettant dans l'ONF une gestion du cycle court de la forêt, ils sont complètement dingues. La forêt, c'est du cycle long. C'est du carbone qui est contenu dans les arbres. Mais ils ont rendu les gens tellement... Ils les ont tellement persécutés, tellement serré le kiki, tellement pas renouvelé les postes, que maintenant, ils se suicident. Il y a beaucoup de suicides parmi les gens de l'eau. Il faut bien comprendre qu'un gars ou une fille qui vit dans la forêt, il ne vit pas comme vous et moi. Moi, je suis un frénétique, j'arrête pas de m'agiter, je vais, je viens, je monte, je descends. Bon, et pour arriver à me calmer, il faut que je sois en vacances et que je me remette à vivre normalement. Mais celui qui vit, on vit toujours au rythme du matériau qu'on travaille. Les gens qui font de la politique, ils vivent pratiquement maintenant au rythme de l'information continue. Moi, j'ai trouvé la parade, je regarde plus la télé, mais on vit à ça. Le gars ou la fille qui vit dans la forêt, il vit au rythme de la chose dont il s'occupe. Il s'occupe de la forêt, de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, de ce qu'il entend. Faut revenir, faut rester, faut attendre, pour être bien sûr que... Ça peut pas se passer autrement. C'est pas la peine de courir partout, ça sert à rien. Donc il faut être comme ça. Et vous venez, vous sautez sur les gens, leur dire « Là maintenant, vous allez faire ci, vous allez faire là, on va rentabiliser tout ça. » Alors les gens, ils sont suffoqués. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui s'occupe de nourrissons « Allez, il faut m'emballer tout ça. » C'est d'ailleurs c'est deux jours. Dans deux jours, tu sors. Mais c'est ce qui se passe en plus. On est devenu fou. Donc voilà, moi c'est ça que je veux arrêter. Les matières premières, je reviens dessus. On ne peut pas tout faire, donc on les prendra, on les achètera à ceux qui les ont. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il va falloir faire ça honnêtement. Puis le mieux, c'est d'essayer de s'en passer le plus possible. De trouver, d'inventer, de chercher, de combiner, de fabriquer, de produire, de réfléchir, quoi. Bon, mais en attendant, il ne faut pas raconter d'histoire. On va devoir acheter aux uns, aux autres, puis nous, on leur vendra sans doute des choses. On parle un peu géopolitique? Oui, parce qu'il faut que je m'en aille. Non? Non, mais sérieux, moi, on m'attend, là. Mais ça fait qu'une heure et 34 minutes. 1h33 minutes. Ça va. 20h34. J'ai droit à une demi-heure, pas plus, s'il vous plaît, ami. Je vous demande de contrôler l'heure, vous, à ma place. Parce que j'ai pas de nom, vous m'avez pris en traître. Je prends jamais en traître. Non, je vois, mais bon,
Donc alors, s'il vous plaît. Ok. Après la communauté va gueuler. Hein. Ben, je reviendrai. Voilà. Géopolitique. Ils sont où nos alliés ? On fonctionne dans l'ordre mélien, c'est-à-dire les gens de 130 kilos font écouter les gens de 60 kilos. Plus ils sont forts, plus ils imposent leur vision des choses. Ok ? Quels sont nos alliés ? Quels sont nos partenaires ? À qui on peut faire confiance ? À qui on ne peut pas faire confiance ? Alors... D'abord, commençons par... pardon, mais on ne peut pas passer à côté. Hein. L'ordre du monde, il change à intervalles réguliers. Il est toujours pyramidal. Il y a un chef. Des fois, il y en a deux. Eh ben quoi, alors, ça, c'était la guerre froide. Puis des fois, il n'y en a plus. Alors tout le monde a envie d'être chef. Et c'est la grosse pagaille. Mais l'ordre est construit, jusque-là, il était construit sur les nations. Ça reste la vérité. Et puis, vous avez... d'énormes monopoles, on les a vus apparaître, des fois se rétracter, puis réapparaître. Mais maintenant, ils sont arrivés à un point de capacité de contrôle. Je ne dis pas qu'ils y soient arrivés, mais les GAFA, c'est plus qu'un monopole du passé. Surtout quand vous en avez, qui commencent à dire, et en plus on va battre monnaie. Là, ça change tout. Extraterritorialité du droit, et j'en passe des meilleurs. Et il n'y a pas de contrôle, dans le moment. Donc là, on a un problème bien spécifique. Mais pour le reste, l'ordre reste international. On a eu deux patrons, les Russes et les Américains. Le système soviétique s'est effondré. Il nous est resté les Américains qui ont dit, ben nous, on va construire un nouvel ordre du monde, vous allez voir ce que vous allez voir. Et d'ailleurs, on commence en Irak. Ça nous a été vendu comme ça, hein, par M. Bush. Mais au moment où ils faisaient ça, déjà, il y avait un doute sur leur puissance réelle. Car vous l'avez dit, le plus fort commande, mais fort en quoi ? Il faut être très en armement, énorme, c'est-à-dire il faut montrer aux autres qu'on est capable de détruire tout le monde. Et puis deuxièmement, il faut être capable d'avoir une certaine autonomie qui vous garantit votre richesse, votre prospérité et le rapport de force avec les autres. Les États-Unis n'en sont plus là. Ils ont en effet un énorme armement, mais ils vivent à crédit sur le reste du monde. Et le reste du monde l'a compris, notamment ceux qui ont émergé. J'y viens dans un instant. Et ils sont déclinants. Et à mon avis, ils ont perdu la partie. Pour plein de raisons, démographiques, mais déjà dans leurs frontières, d'accord ? Les États-Unis que vous avez sous les yeux, et là je ne serai pas là pour vérifier le pari, mais pas sûr que dans 100 ans ils soient encore là. Parce que la moitié du territoire a été pris de force au Mexique, que la population hispanophone va devenir majoritaire, et que si elle est majoritaire, elle amènera avec elle une culture, une grammaire, une science, une technique, de la poésie, des lettres, une langue porte plus qu'un échange. Et puis ils ne produisent plus rien, en tout cas pas à échelle à laquelle il faudrait qu'ils le fassent. Quand vous regardez l'évaluation de la richesse des États-Unis d'Amérique chaque année, l'agriculture, l'industrie, c'est essentiellement des services. Les services, c'est bien, il en faut, mais c'est pas ça qui est la production de la richesse réelle. Le jour où se coupe la chaîne d'approvisionnement, vous restez comme ça. C'est ce qui nous arrive en ce moment. Quels sont nos alliés ? Qui on peut faire confiance ? Pour l'instant, oui, j'y viens, mais il fallait d'abord rappeler le contexte. C'est vous qui mettez la pression pour partir, donc je suis obligé de mettre la pression. Entre-temps, une puissance a émergé, qui en réalité était déjà le premier PIB du monde au 19e siècle, c'est la Chine. La Chine qui a une vision du monde d'elle-même et des autres que beaucoup d'Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre que les Chinois, d'une manière générale, ne s'appellent pas l'Empire du Milieu pour rien. Ils pensent qu'ils sont au milieu et que les autres sont la périphérie. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? La population française, c'est moins que la population du canton de Shanghai. Bon, bah, on peut comprendre qu'ils se représentent les choses différemment, un peu comme nous quand on regarde le Liechtenstein, hein. Pardon pour le Liechtenstein, mais bon, voilà. L'ordre de grandeur, moi je me rappelle de discussions avec la ministre de l'éducation chinoise, moi j'étais ministre de mon truc, là, avec mes 12 millions d'élèves, je faisais le malin en face des luxembourgeois, mais bon, elle avait 200 millions d'élèves à la maternelle, donc c'était un autre problème, hein, que le mien. Donc ils ont une vision du monde, et l'Occident est extrêmement arrogant.
les nations européennes qui sont les nations en réalité violentes. Les Chinois sont devenus très arrogants là quand même. Ah ben, à force, vu ce qu'on leur a fait subir avant, puis même ils sont contents d'eux-mêmes, comme souvent les gens qui deviennent de plus en plus puissants, et ça les conduira à faire des erreurs. S'ils n'y réfléchissent pas à deux fois. Mais restons sur l'ordre du monde. Il est déséquilibré. Nous vivons avec un empire finissant et avec un empire apparent. Les deux nous posent un problème de nature différente, mais un problème. Le premier de ces problèmes, c'est qu'on ne veut pas de maître. Moi, j'en veux pas. Bon, ça va m'amener à votre question. Qui on a comme allié et comment on fait? Nous ne voulons pas de maître. Alors, on fait ce qu'on peut, hein, pour essayer de se faufiler au milieu des plus importants que nous, mais on est là. On a déjà fait la preuve que vous savez se passer de bien des gens pour faire bien des choses importantes. On ne veut pas de maître. Donc pour l'instant, celui qui prétend nous donner des ordres en matière politique, c'est les États-Unis d'Amérique en ce moment. Ils n'ont pas d'ordre, on les suit. Oui, ils n'ont même plus besoin, vous avez raison. Ils ont leur larbin, ils sont formés dedans. Bon, les gens n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse faire autrement. Regardez en ce moment, ils devraient tous être verts de honte. Les États-Unis se réunissent avec Poutine pour discuter de la sécurité en Europe, il n'y a pas un Européen. Ils n'ont pas le droit de venir. C'est magnifique. Vous attendez là. Tout à l'heure au café, vous aurez le droit de rentrer. Le chien ne rentre pas dans la chambre, c'est ça? Oh, c'est incroyable. Mais c'est pas incroyable. Et puis nous voilà tous embarqués dans une guerre qu'on nous annonce en Ukraine, qui est une gesticulation générale entre les uns et les autres. Les uns, les Américains, pour pouvoir foutre l'OTAN là-dedans. Les Russes, pour montrer aux Américains qu'ils ne se laisseront pas faire et que cette fois-ci, il y a une ligne rouge. Alors, non mais, là-dedans, on est capable de faire preuve d'intelligence et de comprendre la part de Simagré. Hein? Mais on est aussi capable de comprendre que ça peut très mal tourner. Si quelqu'un perd son sang-froid, s'il y en a un qui fait l'imbécile plus que de mesure, qu'est-ce qui se passe? Il y a 6000 ogives nucléaires en Russie, il y en a 6000 aux États-Unis d'Amérique. Il y a de quoi détruire 17 fois la planète, 16 fois trop. Hein. Bon, donc ils ont tout ça. Alors, et puis alors, on s'interroge sur le sens de la politique qui est pratiquée par les États-Unis. Moi, j'ai une version qui est un peu triste, mais très sociale. Je pense que les bureaucrates des agences de sécurité nord-américaines, certains sont anti-soviétiques parce qu'ils parlent russe, qu'ils ont toujours été anti-soviétiques, alors maintenant ils sont anti-russes, et ils n'ont pas trop envie que, d'abord un, ils veulent utiliser leur métier, puis ils n'ont pas trop envie que les Russes s'entendent avec les Européens, parce que là ça va commencer à faire quelque chose de plus qu'ils n'avaient pas prévu. Vous connaissez la Russie ? Mal, je peux pas prétendre. Je suis allé trois fois là-bas. Combien de temps? Très peu de temps. C'est rien qui vaille la peine que je me rengorge de ça. Mais vous n'avez jamais pleuré avec un Russe? Pleuré? Oui. L'expression des Russes, c'est pleurer dans le gilet. Non, c'est pas trop mon truc déjà de pleurer, sauf certaines circonstances. Mais je sais de quoi il s'agit à propos des Russes, la manière de voir le monde. Il faut beaucoup s'intéresser à la culture d'un peuple et sa culture historique. Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on pense que l'histoire, c'est une rigolade. Non, ben, ils sont tous pleins d'histoire en France aussi. Mais eux, par exemple, les Européens ne se rendent pas compte qu'ils ont eu 20 millions de morts dans la guerre contre les nazis. Et que c'est quelque chose de très fort. Il n'y a pas de famille où il n'y ait pas eu quelqu'un qui est un héros de la lutte. Hein. Grand-père... Bon, donc c'est très très fort. Très très fort. Alors, comment on fait ? Nos alliés, nos on ne veut pas se laisser embarquer dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Avec les Américains contre les Russes, ça tournerait mal pour nous. Ni avec les Américains contre les Chinois, alors là c'est encore plus dingue, parce qu'on se demande pourquoi on ferait un truc pareil. Que les Chinois aient un régime politique qui ne nous plaît pas, bah oui, ce n'est pas les seuls. Hein. Les Saoudiens aussi ont un régime qui ne nous plaît pas, et plein d'autres ont des régimes qui ne nous plaisent pas. Mais donc, on retape sur l'épaule quand même. Ça ne peut pas être le... Ouais, mais non, mais bon, ça c'est des trucs... Il faut arriver à faire entendre ce que nous on croit, important, les valeurs auxquelles on croit, contre les tyrannies, quelles qu'elles soient, mais il faut le faire dans des conditions d'efficacité. Okay, je vous coupe, ok? Les Ouïghours... Là, qu'est-ce qui s'est passé avec les Ouïghours? La France a dit, moi la France, nos élus, pour la majeure partie, ont dit c'est un génocide. On est d'accord? La France insoumise s'est abstenue, si j'ai bien compris. Pourquoi? Parce que... Alors un petit résumé de ce qui se passe avec les Ouïghours et les Chinois. Je vous écoute. Bah, y a un problème, comme souvent dans les pays qui sont composites, c'est le cas de la Chine,
il y a toujours la difficulté à articuler les minorités avec la majorité. Ça, c'est la règle pour tout le monde. Hein. Ça vaut pour nous aussi. Et là-bas, bon, il y a une tradition du centralisme qui est plus que millénaire. Et puis, deuxièmement, il y a un régime qui présente parfois des qualités. Il est capable d'organiser méthodiquement les choses. Et puis, ça se transforme en son contraire quand il s'agit de liberté. Bon, clairement, nous, on ne peut pas se reconnaître dans leur façon de traiter ces questions de liberté. Alors, avec les Ouïghours, ils ont hésité entre plusieurs tactiques. Dans un premier temps, ils se sont dit, bon, on fait comme pour les autres, on les intègre dans les structures du Parti communiste, de l'Assemblée nationale et tout ça. Et puis, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire qu'ils espéraient qu'à la sortie de ça, ils auraient plus d'histoire, en gros. Hein. Et puis, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu parmi les Ouïghours un regain de l'adhésion à la religion, l'islam. Et évidemment que dans cet islam, il y a eu des gens qui sont passés aux méthodes qu'on a pu voir s'appliquer ailleurs, le djihadisme. Il y a eu des attentats. Et à partir de là, la machine qui s'est mise en route a été d'une brutalité absolue et a conduit à une pratique d'une violence dont il me semble qu'ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes. En détail. Pardon ? En détail. Comment le rouleau compresseur chinois ? Ouais. C'est quoi en détail ? Par exemple, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont mis des gens en camp de travail pour les rééduquer. Bon, alors, on ne peut pas être d'accord avec un truc pareil. Il y a 1 million de gens, nous dit-on, là-dedans. Donc on sait tout ce que ça veut dire. Hein. On connaît la brutalité en chaîne que ça peut donner. Alors, stérilisation des femmes. Non, mais on ne peut pas être d'accord avec ça. Hein, d'accord. Stérilisation des femmes. Anéantissement culturel. Oui, oui, si vous voulez. Enfin, si ça, oui. Si ça a lieu, on ne peut que condamner tout ça. Hein. Je ne cherche pas à dire. Alors, si ça a lieu, ça tombe bien, on a eu l'ambassadeur chinois il n'y a pas très longtemps. Non, attendez. Il nous a dit, oui, mais c'est la presse occidentale qui raconte ça, c'est pas comme ça que ça se passe là-bas. Je lui dis, mais très bien, vous allez me faire un visa open bar. Et nous, on va se balader. Bonne réplique. Eh ben non, ils veulent pas nous faire un visa open bar. Donc, ils s'en prennent qu'à eux-mêmes si les gens ensuite racontent des choses qui leur plaisent pas. S'ils veulent pas nous faire un visa open bar, c'est parce que c'est leur politique intérieure et ça ne nous regarde pas. Oui, oui, oui. Comment on fait pour parler avec des gens comme ça ? Mais d'abord, on parle. Oui, déjà. Non, mais déjà. Et ensuite, on ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'il y a une série de gens, si vous voulez. Moi, je me positionne comme quelqu'un qui se prépare à assumer une responsabilité de pouvoir importante. Et je demande à mes amis de se comporter comme ça. Condamner ou ne pas être d'accord, condamner, je vais la hiérarchie, hein, quelque chose, ça doit être fait avec des mots qui vous permettent d'intervenir. Sinon, c'est irresponsable. Par exemple, dire il y a un génocide, alors qu'il y a toute une série de gens qui disent, d'associations, Human Rights Watch, et je ne sais pas combien d'autres, de sinologues qui disent, écoutez, employez pas un mot pareil, parce que c'est vrai que ce qu'ils font est insupportable pour nous tous, et que si on continue dans cette pente, à la fin, il va falloir démolir tous ceux qui ne sont pas d'accord. Mais utiliser un mot pareil, je crois que ceux qui ont décidé de voter ça hier sont des hypocrites. Pourquoi ? Parce que les socialistes, est-ce qu'un seul jour, ils ont décidé d'arrêter les relations avec Pékin, avec les Chinois? Jamais, ils l'ont fait avant et ils continuent maintenant. Et même les responsables que nous avons vus hier à l'Assemblée continuent à entretenir, à travers par exemple la mairie de Paris, des relations continuelles avec la Chine. Donc à quoi ça sert d'aller gesticuler en prononçant des mots, si vous voulez, que quelqu'un dans une manif dit « Ah bah le génocide, je le comprends parfaitement », que quelqu'un qui a des liens personnels, affectifs, familiaux, ou simplement de sympathie dise « C'est horrible, c'est un génocide, je le comprends », mais quand vous êtes dans la sphère politique, s'il y a un génocide, alors on intervient pour l'arrêter. Comment ? Militairement. Comment on a fait jusque-là ? En Serbie, c'est bien ce qu'on a fait quand on nous a dit qu'il y avait des... Attendez, laissez-moi finir, parce que la ratiocination entre gens qui prononcent des mots sans mesurer les conséquences, hein, alors qui a envie d'aller faire... Quand il y a eu le génocide au Rwanda, on est intervenu, il y a eu l'ONU, alors on peut discuter tout ce qui s'est fait. On peut tout discuter, mais c'est ça la réponse qu'on a fait. On n'a pas dit, on va voter à l'Assemblée nationale un texte et ensuite on rentre à la maison pour faire la partie de Canasta. D'accord ? Non, mais bon, faut être sérieux avec les mots qu'on emploie. Si on veut gouverner, si on prétend gouverner,
On ne dit pas n'importe quoi pour se faire... Alors, puis il faut voir avec qui on dit n'importe quoi. Comment le PS fait-il pour faire adopter une motion dans laquelle il dit que c'est un génocide, avec la LREM partie au pouvoir, qui lui ne fait strictement rien, et qui dit d'ailleurs, hein, de toute façon il n'y a pas question qu'on fasse quelque chose. Alors, si vous voulez rien faire, pourquoi vous faites ça? Juste parce que, de manière politicienne, vous voulez dire, ah ben nous sommes dans la compassion, et nous sommes prêts à dire n'importe quoi. Donc la question qui se pose à nous Français, c'est comment, à la place qui est la nôtre, nous avons la capacité de dire aux Chinois, écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous nous mettez dans une situation insupportable. Parce que nous, nous voulons avoir des bonnes relations avec vous. Mais si vous procédez à des méthodes pareilles, on comprend que c'est vos affaires intérieures. On le comprend. Mais entendez-nous, nous. Parce que nous, on est vos clients. On vous achète toutes sortes de choses. Parce que nous, on est vos amis. On vous méprise pas. Donc, et c'est ça le dialogue qu'il faut avoir. C'est qu'on... Alors, maintenant aussi, un peu balayons devant notre porte. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils pensent qu'ils vont se débarrasser des djihadistes de cette manière-là. Voilà ce qu'ils pensent. Il l'a dit. Mais alors, ben exactement. Eh ben nous, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les politiques de grossière répression des musulmans et de l'islam en général, au nom de la poignée de frappadingues qui font des attentats terroristes, débouchent toujours sur le même échec. C'est-à-dire que vous donnez aux extrémistes la représentation politique qu'ils veulent avoir du grand nombre. Ne permettez pas que les djihadistes deviennent les représentants politiques des Ouïghours musulmans qui n'ont pas plus envie de faire sauter des bombes que la plupart des gens qu'on connaît. Et aujourd'hui, dans le monde, partout, la réplique qui est faite contre le djihadisme, c'est de taper les musulmans. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'ai dit en France et je le dis de la même manière, avec la même franchise aux Chinois. Je ne suis pas d'accord. Cette politique ne mène nulle part, sinon qu'à diviser les gens, à créer de la haine et à donner la représentation politique aux djihadistes. C'est une erreur totale, d'un bout à l'autre. Le dire comme je suis en train de le dire. Voyez-vous, je sais que je prends un risque parce qu'on me dit « Alors, tu ne veux pas condamner ?» Mais si, je condamne. Et il y a bien sûr des politiciens qui sont là pour dire « Ah oui, mais il n'est pas clair, il est ambigu. » Je suis très clair. Par contre, ceux qui s'affrontent à moi aujourd'hui, c'est eux qui ne sont pas clairs dans leurs relations aux États-Unis d'Amérique. Parce que s'ils avaient le courage de leur attitude politique, la LREM qui a été votée ça à l'Assemblée nationale, ils iraient voir les Chinois et leur dire « Écoute, ce que je viens de dire, écoutez, on ne peut pas être d'accord avec ça, qu'est-ce que vous nous répondez? Que c'est vos affaires intérieures, on le comprend, mais vous n'entendez pas ce qu'on vous dit, vous vous intéressez pas ?» Bien sûr que si, les Chinois écoutent. Mais si vous leur dites « Ah, vous, on va vous faire scier ça », comme font les Américains, qui commencent à essayer de leur serrer la gorge. La Chine est là où elle est. Mais oui, j'ai dit bien leur serrer la gorge. L'alliance qu'ils ont fait, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, en foutant dehors les Français, qui étaient des bons petits caniches pourtant, qui avaient participé aux précédentes opérations navales dans le cadre de l'OTAN. Hein, pourquoi c'est faire tout ça? Pour créer un rapport de force militaire avec la Chine. Absurdité. Tout ça ne nous mène nulle part. Par contre, une politique capable d'intervention. Quand un pays, surtout un pays très puissant, refuse-t-il de parler? Ça n'existe pas. Donc ce n'est pas la bonne méthode de jeter des déclarations qui ne font qu'une chose, montrer qu'on n'y croit pas soi-même. Parce que dire qu'on vote que c'est un génocide et rentrer à la maison, c'est la preuve qu'on ne croit pas soi-même à ce qu'on raconte. Et je le dis à tous ceux que cette histoire passionne, comme c'est mon cas. Parce que moi, je veux être un constructeur de paix. Vous m'avez dit quels sont nos alliés? Nos alliés, c'est la force des idées. Nous sommes capables d'être indépendants. Quiconque nous touche un cheveu sera détruit. C'est pour ça qu'on a une dissuasion nucléaire. Mais ça, c'était avant, ça. Notre dissuasion nucléaire, elle vaut peau de zob maintenant. Alors attends, on va passer à ça parce que vous dites ça. On va passer à ça, ça fait 1h52. Bon. Alors soit vous annulez... Je termine. Soit vous annulez votre prochaine réunion et on reste ensemble à discuter. Non, je peux pas, je vous jure. Appelez. Bon, alors je réponds à la question suivante, tant pis. Non, allez, continue alors. Bon. Je commence par, je sais plus où j'en étais, de vous démontrer quelle peut être notre stratégie. Alors d'abord, être souverain et être capable de se défendre. Vous me dites, la dissuasion nucléaire ne vaut rien, j'accepte l'idée que ça vaut la peine qu'on en parle. Je ne vais pas dire que je suis d'accord avec vous, mais je ne vais pas dire non plus que ce que vous dites n'a pas de sens, parce que ça a du sens. Et s'il faut faire tout de suite la parenthèse, on va la faire. Mais je termine sur comment on peut être au milieu des nations que fait la France. Un, elle doit être non alignée. Non aligné, ni avec les Américains, ni avec les Russes, ni avec les Chinois. Et avec l'Europe? Encore un autre sujet, mais aligné sur l'Europe. Pourquoi? Non mais attends, 1h53 minutes, c'est pas assez. Quoi? Bon, bah alors, la réponse est non. Parce que ça n'a pas de sens.
Qu'est-ce que tu veux faire avec 29 pays qui n'ont pas deux idées communes sur la politique étrangère? Alors on peut passer des heures à bavarder. Ça, oui, on a d'ailleurs payé des gens pour ça. On a nommé une femme, ou un, je ne sais plus qui c'est maintenant, de qui c'est le tour, qui est ministre, commissaire aux affaires étrangères. On lui dit, mais madame, c'était la première, c'est la baronne Ashton. On lui dit, mais vous servez à quoi, vous? Parce qu'il n'y a pas de politique étrangère. Et elle a dit cette chose incroyable pour une libérale, c'est une PS, donc c'est une libérale. Elle dit, ah ben pour une fois, c'est l'organe qui va créer la fonction. Alors nous, les Français, comme d'habitude, bon naïfs, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le meilleur des nôtres là-bas pour organiser le service. Ils sont pas cons, ils nous l'ont pris. Ils leur ont organisé leur truc. Ils sont 5000, on ne sait pas à quoi faire. Hein. Et nous, ben on s'est dépouillés. On a vendu les locaux de nos ambassades. Hein, parce qu'on peut le faire, puisqu'il y a l'Europe. On a réduit. Puis maintenant, on en est, le président de la République a décidé que, après avoir déjà supprimé 30% des postes, eh bien, les ambassadeurs ne sont plus des ambassadeurs. C'est des administrateurs d'État. Exit la fonction spécialisée de diplomate. D'accord? Voilà. Le deuxième réseau diplomatique du monde, détruit de l'intérieur par ceux qui devaient le conduire. Alors, ne me parlez pas de la politique étrangère de l'Europe, il n'y en a pas. Et la défense européenne, c'est pas demain que vous la verrez. Parce que tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de faire les gentils wagons des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN. Et nous, ici, on nous raconte des histoires, alors on se raconte toujours des histoires en France. Le couple franco-allemand, tararam, il y a de la libido, du roman et tout. Ça n'existe pas, les Allemands eux-mêmes sont les premiers à dire, ça s'appelle un moteur. Ils connaissent mieux les moteurs que le couple, apparemment. Et eux, ils croient que c'est un moteur, point final. Et c'est que des histoires comme ça. On se raconte qu'il va y avoir une défense européenne. Parce que nous, Français, depuis De Gaulle, on a pris l'habitude d'une défense indépendante. Mais les autres, ils savent même pas que ça existe. Vous avez vu les Polonais? Ils sont passés du pacte de Varsovie à l'OTAN. Ils étaient fanatiques du pacte et maintenant fanatiques de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens pareils? Alors, ils font ce qu'ils veulent. Je veux pas leur dire du mal. Mais moi, je ferai autrement. Je ne ferai pas comme ça. Un, nous nous défendons. Deux, dans le monde, notre puissance, elle est ni militaire, ni même économique. La puissance de la France, c'est ce qu'elle représente. Un concept abstrait, liberté, égalité, fraternité. Donc, nous aurons une politique, un, non alignée, deux, altermondialiste. Que dirons-nous aux gens? Écoutez, un, il faut désarmer. Quoi? Comment? Ben oui. Quand c'était l'Union soviétique, au moins on parlait de désarmer, maintenant on ne parle plus. Là, pour la première fois, les Chinois ont fait suer tout le monde, je ne sais pas combien de temps, ils ont fait une déclaration, les cinq. En disant une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Tout le monde s'en fout, personne n'a fait attention. Pourquoi ils disent ça? Ils réarment comme des dingues. Hein. Non mais, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils voient bien qu'ils sont en train de faire monter les tensions, et que le premier qui perd son sang-froid et tout va sauter. Donc ils se disent, une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Bah, ah, en effet. Donc si une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, alors on pourrait peut-être commencer à remballer le matériel. Je propose que la France participe au traité pour l'interdiction des armes nucléaires en observateur. Nous avons nous-mêmes des armes, nous sommes d'accord pour désarmer. Mais on commence par ceux qu'on a le plus, hein. Et puis on désarmera quand on en arrivera à nous. Nous, on a 280 ogives. Hein. Ils en ont 6000. Bon, elles commencent par eux, et puis alors nous, on fera aussi un effort. On va le faire d'autant plus facilement pour la raison que je vais vous expliquer. Mais je termine sur l'altermondialisme. Ça veut dire que nous, les Français, on va épauler, par exemple, les Boliviens, qui demande qu'on crée un tribunal climatique international, comme il y a un tribunal pénal international. Nous allons, nous, animer une action politique internationale pour qu'il y ait un traité de non-prolifération des énergies carbonées. Voilà comment la France va être respectée, parce qu'elle sera respectable. On ne dira pas, vous les Français, on vous connaît, vous arrivez, vous racontez des grands trucs sur la République, la liberté et tout le reste, et après vous nous vendez des armes pour aller casser la figure du voisin d'à côté. Donc, moi je crois à la puissance française de cette manière-là. La dernière fois qu'on a été en guerre contre tout le monde, hein, c'est-à-dire après la guerre, la Grande Révolution, je parle pour des idées, la dernière fois qu'on était en guerre contre tout le monde, bon, on était mal, c'était la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Et qui nous a tiré d'affaire? Ceux qui résistaient. Et les Russes. Mais ici, l'honneur qui c'était. Hein, bon. Alors, ça c'est pour la diplomatie altermondialiste. Moi je crois à ça, à la force de la France comme ça. En plus, en mettant en partage, allez hop, au lieu de dire des bonnes phrases à l'Afrique, comme fait M. Macron, après avoir demandé à un président de la République au Burkina s'il allait réparer la clim, hein, au lieu de faire des discours en général, j'irais des choses concrètes. Vous êtes fait voler.
le 19e siècle à cause de l'esclavage. Vous êtes fait voler le 20e siècle à cause de la colonisation. Je vous propose quelque chose, parce qu'à nous tout seuls, on n'y suffira pas. Faisons une université francophone de l'espace, des métiers de l'espace. On partage avec vous. Faisons une université francophone des métiers de la mer. On partage. Vous verrez si on ne sera pas une grande puissance. Beaucoup plus qu'à faire les marioles derrière les Américains. Alors, votre dissuasion maintenant, venons-y. Alors, je suis honnête, je ne prends pas en traite. Il est 20h59, ça fait 1h59 qu'on discute. Bon, on arrête dans un quart d'heure, le temps qu'il me faut pour la dissuasion, d'accord ? Donc, si ça... J'en demande pardon à ceux qui nous écoutent, que et ça donc, intéresse, faut, s'il en reste quelques-uns. Il faut passer un... Oui, il en reste combien, là ? Montre-moi, on est 15 000, on va dire comme ça, 16 000. On est 16 000. C'est bien, mais, non ? C'est pas mal. Il va falloir prendre un deal avec la communauté de revenir pour deux raisons. Un... Vous nous avez planté il y a deux mois et demi pour aller faire 6 minutes chez TF1. Et ça te fait marrer, moi, ça me fait pas marrer. Ben moi non plus, parce que j'ai dit, comment ça se fait que c'est une interview au plus de moi ? Mais quoi ? Ah ben, qui c'est qui a dit ça ? Eh ben moi, depuis la dernière fois que j'étais venu ici, j'étais enchanté. Bon allez, on avance, parce que d'accord, sinon... D'accord, on avance. Donc on prend un deal avec la communauté, il va falloir revenir pour parler plus de géopolitique. Promis. Promis ? Promis. D'accord, j'accepte. Non mais promis, et avant la présidentielle, si avant vous voulez bien. Avant la présidentielle. Oui, je reviens. On finit sur la dissuasion. Vous savez, ça m'intéresse de parler de ça. Mais je suis trop content bien. De pouvoir en parler, on n'en parle jamais. On ne peut jamais en parler nulle part. Il n'y a qu'ici que j'ai pu avoir le temps de m'exprimer il y a 2 ans, et là, comme je suis en train de le faire, sans être interrompu toutes les 2 secondes, qu'on me dise « allez plus vite » et je ne sais pas quoi. C'est moi qui dis plus vite pour une fois. La dissuasion. On en reparle, on n'en parle pas, on continue pas, on passe à un autre sujet. Je voudrais qu'on parle de la primaire populaire. On en parle maintenant, on en parle après. Bernie Sanders, la primaire populaire, il s'est affronté. Il a affronté la primaire populaire. Le mec au Chili, il est passé avec 56% face à un nazi, il est passé par la primaire populaire. Non, mais bon. Non ? Franchement, attends, on va parler de sujets sérieux, on s'en fout de ça, la primaire populaire. Non, le c'est sujet... 300 000 électeurs. Hein. Oui, oui, moi aussi, bah d'accord. Mais alors, moi, il y en a autant qui ont parrainé ma candidature, donc la discussion est close. Je vois pas l'intérêt que ça apporte à cette discussion. Sur Internet. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Quels sont, selon lui, le meilleur argumentaire pour amener les abstentionnistes sur le chemin de la citoyenneté ? Ils n'ont jamais cessé d'y être. Ils sont citoyens comme nous tous. Ils ont décidé que ça valait plus la peine parce qu'on se foutait d'eux. Parce qu'en 2005, ils ont voté non, on a dit, on a très bien compris, c'est oui. Parce qu'ensuite, ils ont élu un socialiste qui leur a dit « Mon ennemi, c'est la finance », et ensuite, il s'est mis entièrement au service de la finance. Ensuite, ils ont élu un jeune homme qui leur disait « Avec moi, ça va être la révolution, tout le monde va être libre, vous allez pouvoir exprimer votre créativité. » Du pipeau. Bon. Donc, faut comprendre que les gens ont des raisons de ne plus avoir confiance. Et puis, deuxièmement, la manière de ramener tout le monde dans le combat, c'est d'avoir un objet au combat. Moi, je me rappelle, je me retrouve à mon âge, en train de redéfendre un mot d'ordre que je défendais quand j'avais 20 ans, qui était la retraite à 60 ans. Et les gens disaient, on n'y arrivera pas, mais c'est bien que vous en occupiez. Et on l'a fait. Bon. Mais je veux venir, pardon, excusez-moi d'y revenir, au moins pour cette question de géopolitique, qui est la question de la dissuasion. Je vous supplie de comprendre que c'est une question très importante. Si vous n'êtes pas défendu, vous dépendez des autres. Vous pouvez trouver ça très bien, pas moi. Aujourd'hui, il y a un doute. La dissuasion des Français, vous avez compris le concept de dissuasion, c'est « si tu me touches, je casse tout ». Alors, virgule, faut d'abord que tu me touches. Donc c'est une défense posthume. En France, un coup au but, on n'est plus là. Un coup au but sur la centrale de Nogent. Un coup au but dans la vallée du Rhône. Terminé, il n'y a plus de France. Donc c'est gravissime. Toute notre affaire repose sur la dissuasion. Si vous êtes sûr que je casse tout, vous vous direz... Bon, peut-être que ça peut attendre de leur taper dessus. Grâce à ça, on est en paix. Pour que ça marche, il faut que l'outil ne puisse pas être anticipé. Le vecteur. Le vecteur. On avait des fusées mises au plateau d'Albion. On les a enlevées parce que bon, quand même là, c'était trop simple. On a maintenant des avions et des sous-marins. On a 4 sous-marins et une flottille d'avions qui peut porter la bombe. Je dis rien des avions qui portent la bombe, je m'en concentre pour l'instant sur les sous-marins, qui est l'arme la plus perfectionnée que nous avons dans ce domaine, qui n'est pas facile à intercepter. Je ne dis pas que c'est facile d'intercepter un avion français, mais tout le monde comprend que c'est plus facile d'intercepter un avion que d'intercepter un sous-marin, aussi longtemps que, 1, on ne le voit pas, 2, on ne l'entend pas. Si on le voit depuis l'espace, ou si on l'entend parce qu'il y a des câbles et qu'on l'entend de X manière, tout ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que vous êtes en train d'acheter des arbalètes
à l'époque du fusil. Alors, c'est sympa, vous pouvez avoir les meilleures arbalètes du monde, mais ça ne sert à rien. Là, on peut être dans cette situation. C'est pour ça que je veux qu'on en parle. Je ne suis pas en train de dire ça ne marche plus. Je vous dis juste, ne me prenez pas pour quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que quelque chose a changé. Comment je le sais ? Comment je le sais ? Coréen. C'est même pas les Coréens. Si, si, les Nord-Coréens, le missile hypersonique, ils font un Starship. Ouais. Ils tirent à la verticale, ils crament tous les satellites, on retourne tous à l'âge de pierre. Oui, tout le monde l'a fait et ça vole à plusieurs. On ne sait même plus d'où il arrive. Mais attends, tu vas voir. Oui. Non, ce n'est pas l'objet hypersonique. C'est le tir. Depuis la Terre sur le satellite. Ça revient au même. Admettons. Mais les Nord-Coréens ne sont pas là. Hein. Si, si, les Nord-Coréens sont là. Non. Ils sont capables de faire un Starfish Prime. De raser l'intégralité de tous les satellites qui sont autour de nous, et en plus, maintenant, avec un missile hypersonique. Non mais foutez pas la trouille à tout le monde. Mais c'est pas foutre la trouille, il faut voir les choses en face. Écoutez, en vérité... Et nous, on n'a pas cette technologie-là. On n'a pas de missile capable de faire la même chose que les Nord-Coréens. On n'a même pas les torpilles à la hauteur des Chinois, à la hauteur des Américains, non, à la hauteur des Russes. Pas d'accord avec vous. Mais bon. Bah, on peut en parler. Non, notre arsenal est vieillissant. Non, et puis après, écoutez, je n'en sais rien, moi, ce que sera ma vie, mais j'ai pas envie de me la rendre plus compliquée dans 80 jours, si c'est moi qui suis élu, en arrivant et en disant, ah ben ce type a dit qu'il avait aucun moyen de se défendre. Mais on n'a aucun moyen de se défendre. Mais arrêtez avec ça, la désespérance permanente. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les Français sont capables de tirer sur n'importe quel satellite de n'importe qui. Qu'est-ce que vous racontez ? On est capable d'arriver à voir sur Terre des surfaces qui sont moins grandes que 50 cm. Alors arrêtez de vous prendre la tête. Et on est le troisième port spatial mondial. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire. Le sujet est le suivant. Si tel et tel pays sont capables de tirer depuis la Terre sur les satellites, tout le monde comprend. Même en mettant de côté la question de ce qu'on est capable de faire, depuis l'espace, sur l'espace, d'un satellite à un autre. Même en laissant de côté la question de savoir si d'un satellite on peut tirer sur la Terre. En laissant toutes ces questions de côté, en regardant une seule, depuis la Terre, est-ce qu'on peut tirer dans l'espace et qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Le résultat, il est évident. C'est que 10 minutes après, vous n'avez plus d'électricité. Vous n'avez plus de communication, vous n'avez plus de ceci, plus de cela, et on ne sait pas le nombre de choses, et je n'ai pas envie de raconter des horreurs, mais clairement, ça veut dire que cette arme est une arme contre laquelle vous ne pouvez quasiment rien, parce qu'au moment où vous voulez faire quelque chose, ça s'arrête. Et si en plus, mettons que le président, vous savez bien que ça ne se passe pas comme certains croient, hein, c'est pas, il n'y a pas un tiroir, vous avez qu'un bouton, pouf, la bombe part, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous avez une décision à prendre. Un, vous ne savez pas qui vous a frappé. Là, ça change quand même tout, non ? Surtout si vous avez plusieurs ennemis. Vous ne savez pas qui vous a frappé, parce qu'il vous a envoyé un truc hypersonique, ou parce qu'il a tiré de l'espace, ou bien parce que depuis la Terre, il a détruit les 4 satellites militaires que nous aurons bientôt, qui nous permettent de capter l'activité magnétique de tout le monde, qui fait que les Français sont mieux renseignés que n'importe quel Européen sur tout le monde entier. On a tiré ça il n'y a pas longtemps, en décembre, avant le télescope. Hein. Bon, donc c'est pour dire quand même, les gens, on sait faire. Hein. Et puis, ce qui n'est pas fait, on le fera, parce que moi, je m'en occuperai pour que ça soit fait. Donc, rien que de savoir ça, modifie notre système de défense. Donc, moi, je pense, mais je peux être démenti, et je sais que ça ne se fera pas en 24 heures. Je pense qu'il vaut mieux transposer la dissuasion dans l'espace. Et si on la transpose dans l'espace, c'est-à-dire que tout le monde comprend bien que le premier qui cherche pouille à des Français prend un gros, gros, gros risque. Parce que nous sommes capables, depuis l'espace, de taper les autres satellites, et parce que depuis la Terre, nous sommes capables de taper les plus importants. Transposer la dissuasion dans l'espace, elle cesserait d'être nucléaire. Elle deviendrait liée à tout ce qu'on peut interrompre. D'accord ? À ce moment-là, vous avez la base d'une double discussion qui vous permet de dire pourquoi vous gardez des bombes si ça ne sert à rien. Donc vous pouvez reprendre la discussion sur la dissuasion nucléaire sur des bases réalistes. C'est-à-dire que celui qui vient, qui vous dit « voilà, besoin de ça pour vous défendre », il dit « me faites pas rire, vous avez besoin aussi des arcs et des flèches, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter ?» Donc on peut démonter, puisqu'on est dans l'espace. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'espace ? Nous, moi, j'étais partisan qu'on en reste au traité de 1967, démilitarisation de l'espace. Pas d'armes dans l'espace. Bon, ben... Puisque tout le monde y est, tout le monde a installé son bazar. Et c'est tellement vrai, alors nous les Français on bat tous les records,
Les Américains créent un état-major de l'espace, personne n'y demande rien à personne. Et puis nous, notre président, il décide de créer un état-major de l'espace, il ne demande rien à personne non plus. Donc nous avons décidé de violer un traité que nous avons signé, on s'en fout. Et on n'en parle pas une minute à l'Assemblée nationale. J'ai déjà parlé 4 fois de cette histoire de dissuasion. Walou, personne ne répond. Un type de LREM, que je salue, qui est le président d'une commission de la défense, lui me répond en disant ben Mélenchon a raison de poser la question, puis après sa réponse, ben c'est la sienne. Hein. Il dit ah oui, mais nous, on a les meilleures armes nucléaires du monde et tout ça, il y a du personnel. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Moi, je sais que, à partir du moment où on me dit qu'ils ont tous militarisé l'espace en violation du traité précédent, je n'ai pas fou. Donc je dis, ben alors, discutons des nouvelles conditions. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace? Mais si on discute de ce qu'on fait dans l'espace, on pourrait commencer par lier ça à la discussion sur le désarmement nucléaire sur Terre. Donc à chaque fois, il faut tirer d'une situation le meilleur pour pouvoir avancer. Mais pour ça, il faut être fort, il faut être respecté, pas seulement militairement. Hein. Donc on évite d'aller s'embarquer dans des aventures dont on ne ressort pas, comme celle dans laquelle on s'est embarqué en Afrique. Mais surtout parce qu'on montre qu'on est de bonne volonté, et puis surtout qu'on est fort, qu'on est puissant. Donc les Russes ont tiré sur un satellite, et l'ont mis en 1000 morceaux. Tout le monde a poussé des cris de putois, c'est des hypocrites, tous en ont fait autant, déjà. Hein. Donc c'est pas le sujet. Alors nous les Français, nous devons faire la démonstration que nous sommes capables, pour que tout le monde le comprenne bien, que nous sommes capables d'établir un pont avec les objets qui sont dans l'espace. Comme ça, ça fait réfléchir tout le monde. Deuxièmement, on sort de l'état-major intégré de l'OTAN, de l'espace. On n'a rien à foutre là-dedans. On se débrouille tout seul. Pour pouvoir faire ça, il faut sortir tous les matériels américains qui sont dans notre matériel embarqué. Les logiciels qui sont dans nos missiles, les logiciels qui sont au ministère de la Défense, qui sont nord-américains. Tous ont une porte d'entrée. D'accord. Et l'oncle Sam est installé chez nous avec sa serviette et son couvert. Bon, tout ça a terminé. On sort. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu des manœuvres, je ne sais pas si vous le savez, une manœuvre commune de l'OTAN avec les Américains et les Allemands. Qu'est-ce que les Allemands ont bien foutu là-dedans? Vous pouvez me le dire. Bon, ils n'ont rien à faire là. En tout cas, moi, je ne fais pas de manœuvre avec eux. Hein. Et puis, on pourrait terminer. L'état-major de l'espace de l'OTAN, où est-il installé? En France, à Toulouse, là où on a notre centre, où nous collectons les informations qui arrivent de l'espace, notamment par exemple la mission sur Mars. Hein. Vous savez qu'il y a plein de matériel français dedans, hein, parce qu'au lieu de pleurer tout le temps là, hein, la caméra qui sort là, elle est française, le truc qui fait des trous dans la Terre, c'est français. Donc on sait faire des tas de choses. Donc vous comprenez. On sait filmer des trous, c'est bien. Eh bien on sait filmer des trous, puis on sait ce qu'il y a dans le trou, et puis on sait ce qu'il y a dans l'œil de la caméra. Hein. Luc. Allez, c'est bon, j'ai fini. Alors, donc, il nous reste 2 minutes. Donc ça, c'est la partie 1, parce qu'il y a toutes les questions Internet qu'on n'a pas pu passer. On a 25 sujets qu'on n'a pas pu aborder. Mais je reviens quand, à peu près quand vous voulez. D'accord, mais promis. Une date ferme et promis. Promis. Non mais attends, promis. J'aime cette émission, je peux le dire. La preuve, regardez, est-ce que j'ai l'air d'un type malheureux, comme quand je sors d'un plateau de la télé publique ou de la radio publique? Non. Donc, hein, on met abrupt, pas les livres, pas les conseils pour les générations. On réservera ça pour la deuxième partie. Quel sujet il y aura? Ah mais non, mais on donne pas les sujets. D'accord. Alors. Mais il faut qu'on parle du hacking. Non. C'était un bon sujet. Jean-Luc Mélenchon, merci. C'est moi, vous tous, merci pour votre terrible patience de m'écouter parler sans fin comme ça.